Donc, Arthur, tu venais de perdre ton temps, beaucoup de temps, dans la bibliothèque. Yes. Parce que tu t'étais laissé emporter par tous les livres qu'il y avait là-dedans. Et il y en avait beaucoup. Il y en avait en tabarnak, là. Fait que là, un moment donné, tu réalises comme que le temps passe vite. Oui. Allô. Fait que c'est ça. Fait que là, tu finis de tout tapoter les livres, puis tout ce qu'il y a de mot traumaturgie qui a touché. Tu sais, t'es tout à spotter. Puis, c'est que t'es rendu là. Tu viens de comme sortir de ta. Ma transe. De ta transe, de ton. Tu tripais trop. Okay. Ça devient normal un peu. Puis, ok, je suis avec mon collègue aussi, mon protégé, ça. Celui que t'as. Loïc. Loïc, il est là. Fait que lui, il s'est fait donner la même façon que moi, là, ou... Lui, ben, il a plus checké les livres, puis il a été surpris, là, de voir des affaires comme « Ah, ouais, ça existe, ça. » Tu sais, il y a eu des choses sur des gens que, tu sais, mettons, exemple, il a pogné un livre sur Nefertiti, puis là, il réalise qu'elle... C'était pas juste une prêtresse de l'Égypte, tu sais, c'est quelqu'un, c'est un vampire. T'sais. Fait qu'il a comme découvert un autre univers. Parfait. Tu sais, là, il fait comme, ah ouais, puis il a découvert qu'il y avait du monde dans plusieurs villes. Là, t'sais. Fait que tu sais, il y avait un livre, mettons, qui est tombé sur le livre des personnages importants. Parfait. Fait que lui, il a tombé là-dessus. Un livre de personnalité importante vampirique. Fait que là, il sait que. Il y en a genre à Montréal, à Chicago, à Berlin, Milwaukee, à New York, Québec. Tu sais, il voit, là, lui, il a découvert ça pendant que tout suit. Dans des bois? Zéro. Il y en avait un, il en a Longueuil. Donc, oui, ça ressemble à la sala. Ça ressemble à la sala. Nickel environ. Ben, mettons pour toi, il va être 3 ans. Est-ce que je suis tout seul à la bibliothèque avec mon doudou ou Carmen? Ben, Carmen est encore là. Elle se promène. De temps en temps, genre, elle vient voir. Tout est beau. Ben, check quand même. Ça. Avec son aspect 6. C'est ça, aspect 6. Check à travers le mur. Ok. Mais je vais lui demander, dans le fond, si je peux avoir quelque chose par rapport à l'origine des vampires que je pourrais y emprunter pendant quelques jours. Les livres qui sont ici ne sortent pas d'ici. Ah. Et sir! Je suis sûr à 100%. Je vais faire quoi dessus? Je vais faire un leadership et un charisme. Carmen! Attends, manipulation et leadership. Ou charisme et leadership. On entend un moment. C'est pour le bien commun, dans le fond, des vampires, puis tu vas en savoir plus. C'est une difficulté 9. T'as une réussite. C'est peut-être pas assez. Fait que, elle dit, ben, je comprends, mais tu sais, vous pourriez venir y accéder. Merci d'être trop gentil. Y'a pas de problème, là. Je suis pas sorteuse, comme ils disent, tu sais. Fait que, juste à me lâcher un coup de fil, puis j'attendrai votre visite. Si je suis disponible. Ok. Sinon, est-ce que tu pourrais me diriger vers un autre champ de recherche par rapport à Camarilla? L'origine de Camarilla, est-ce que c'est écrit, ça? C'est un. Peut-être que tu pourrais trouver ça dans la deuxième plus grosse bibliothèque à ma connaissance, c'est celle du Cégep. Ok. Est-ce qu'on a moyen d'avoir accès la nuit? Si James est plus. C'est ça, je vais être un peu plus dur. Peut-être c'est. Demande Charles. À James. Ben, il sait, là, qui peut. Est-ce que t'as un numéro de contact de un de ces. Non. Je parlais toujours à James. Je parlais pas tant non plus. J'avais pas y parler, non. J'ai une bibliothèque deux fois grosse comme lui, tu sais. Mais peut-être rentrer en contact avec ses Charles. Il pourrait peut-être. Te donner accès à ça. Ok, pas de problème. Mais merci pour tout. Puis on s'en va bien. Plaisir. Comme je dis, vous pouvez toujours me contacter. Puis... Si je peux, je vais vous donner accès. En fait, est-ce que tu te connais un petit peu en. Je vais vous
avec des objets, avec des particularités comme surnaturelles. Ah, ben les artefacts, là. Oui. Oh, c'est juste ça. Je savais pas que ça s'appelait comme oui, ça. Oui, c'est le nom qu'on donne. J'ai déjà lu et vu un peu là-dessus. J'en ai vu quelques-uns, j'ai lu là-dessus. Ok, mais j'ai trouvé ça. Je sais pas si tu peux m'aider à savoir comment ça fonctionne un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est une horloge de poche. Là, je sors du monde. C'est et, la Tourette's Watch? Oui, c'est que ça semble avoir un effet lorsque il y a quelque chose qui joue avec le temps autour de moi. Mais... Grâce à ça, 1, 2, 7, ouais, c'est un petit objet magique relativement simple, tu sais, qui n'affecte pas l'espace-temps, tu sais, ça affecte rien, ça fait juste détecter, donc c'est pas quelque chose d'extrêmement puissant. Ok. Vous perdez, je la regarde. Ouais, absolument. Je le check. Ah non, c'est vrai, il appartenait à quelqu'un d'autre avant moi. Perception empathie. Perception. Tu appartenais pas à Gaspard. Ah! Ouais. Ben non, c'était. Tu l'as donné à Christopher un moment donné. Non, ça appartenait, ça appartenait à un savant. Ah oui. Ah oui? Perception 6. Empathie. Non, Christopher, c'est le Christopher, c'est ah le oui, fait... c'était le collier de Gaspard. Ça, ouais, ça appartenait à un savant, ça. 1, 2, 3, 4, 8, 7. T'as bien dit appartenait. Oui, totalement. Ça n'appartient plus à un sabbat. Mais j'avais des permis pour ça. Ça, ça appartient à. On s'est trouvé des bouts, tout. Mais celle-là, je peux le trouver. C'est pas un bon jet de manipulation. Je peux le trouver matin. J'aurais juste regardé exactement ce qu'elle voulait. Mais celle-là, en plus, je sais que je m'en tirais même pas. J'ai la mémoire très fine. Oui, répondre. J'avais le doigt, tout plaquable, ça. C'est comme d'accord, mec. Mais... Dodo, allez, c'est là! 3 révèle plus de choses. Ok, puis 4 succès pour révéler le nom de la personne. Le nom du owner. Du owner ou tu sais, quelqu'un qui a rapport avec c'est ça. C'est sûr quand je vais manger. Fait que elle pointe, puis fait comme. Ça a été. Ça date de longtemps, par contre. Si je me trompe pas, ça a été fait par l'ancien prince de Saint-Hyacinthe. Ça a été fait par son nom. Son nom, est-ce qu'il m'échappe? Ah, il échappe pas son nom. Fait que c'est l'ancien prince de Saint-Hyacinthe, Yazalor, qui a fait ça. Ah oui? Moi. Yazalor qui manipulait le temps a créé ça. Permettez que je note ça. Bien sûr, bien sûr. Le pouce-mine est là. Y-A-Z-A-L-L-A-R-B. Yazalor. Prends ton crayon là. Prends le crayon de cire là. Écris ça sur le papier construction. Ça va me faire crédible. Tiens-le comme ça, ton crayon. Là, je mime un point fermé. Puis tu veux mimer. En fait, je pourrais filmer dans comme ça. Non, mais tu ne demandes pas ton dé? Non. Tu sais quoi que tu fais de bon, ce principe? Pourquoi qu'il est plus ici? Il est juste disparu à maintenant. Puis comment que cet objet-là est arrivé jusqu'à moi? En fait, les rumeurs, il y a plusieurs rumeurs. Soit qui. Certains disent que c'est tanné de la ville parce qu'il ne se passait rien. Puis il est juste parti. Il y a des rumeurs comme quoi tu aurais pu être attaqué, agressé, kidnappé par peut-être des sabbats. Puis sinon, ben, il est peut-être genre encore ici, mais en torpeur parce que. Il s'est couché parce qu'il n'y avait rien en ville. Là. Ok, c'est un vieux genre ville, ça, dans le fond. Il est plus vieux que moi.
Il est plus potent aussi, j'imagine. Tu lui demandes ça, pour vrai? C'est. Ça doit être. J'imagine, pour créer un artefact comme ça, il faut être assez puissant. Il faut juste avoir des connaissances. Mais il faut être quand même puissant, mais comme je dis, cet artefact-là n'est pas si fort. Là. Ok. Mais donc, même moi, je pourrais être en mesure, avec les connaissances qu'il faut, de créer des artefacts. Oui, c'est les connaissances dans le cul, dans la magie. Probablement qu'il y a un lien avec des connaissances que lui avait, des pouvoirs qu'il avait, qu'il a infusé dans ce monde. Ok. Est-ce que tu as des connaissances suffisantes pour apprendre à créer ces objets-là? Non. Je te dirais que la personne la plus... qui connaît le plus les objets que je connaisse, c'est Gaspard. Ah non. C'est un gars qui... c'est peut-être un des gars qui a le plus de connaissances dans les objets. Ok. Ouais, d'ailleurs, Oui? Je pense que c'est lui qui m'a déjà parlé d'un objet comme ça. C'est possible. Ok, ben merci pour l'information. Ça fait plaisir. Ah, c'est vrai, c'était Maurice, qui, quand il était vraiment poussant, ouais. Tu l'avais retrouvé dans son truc. Non, c'est pas son moi, concierge. C'est mon... C'est son concierge. Non, c'est mon Roger. Ton Roger qui est mort. Non, ton barman que t'as tué, ouais. Pour une frenzy, oui, oui. Non, c'est en Roger. Puis là, il est obligé de le tuer. Non, c'est ce qu'il... Il était obligé de le tuer. C'est ça, j'étais obligé de le tuer. Il m'a tiré un coup de douche dedans. Mais c'est ça. Je suis tombé en frenzy à cause de ça. Il m'a tiré, j'ai perdu du sang. Je pense que c'était l'inverse, moi. Je pense que c'est parce que t'as vidé le sang de quelqu'un d'autre, mais ça c'est flou, là. Tu sais, c'était dans le chapitre 1, on était jeunes. Ah, oh, la douce. On était 13e gêné. 14e. Moi, je suis encore 13e. Ça fait 20 années. Oui, ça fait genre 3 mois. Dans Eddie Games, ça fait 3 mois. Fait que. C'est lui qui connaît le milieu. Ok. Est-ce que tu le connais bien, toi, Gaspard? Oui, mais tu sais, c'est un vampire qui était très tranquille. Je le connais le nom, mais je me tenais pas avec. C'est-tu quelqu'un qui est réputé pour être loyal? Ouais, c'est... Ah oh, ben, tu sais, ils le sont tous. Qui est-ce que tu connais? Ben, les vampires... Les membres de la Camarilla, ils le sont tous. Ok. Des fois, je trouve qu'il y en a qui ont des intentions de faire du tout pour ça. Ah! Peut-être. Tu sais, t'as même pas besoin de perception empathique, tu vois comme. Qui est sarcastique un peu, là. Dis-toi pourquoi t'étais pas dans le camp là? Parce que j'avais pas d'affaires là. Ok. Puis qu'est-ce qui faisait que. Qu'est-ce qui a fait changer ton. Ben, entre autres, le changement de prince. L'ancien prince aurait jamais voulu le mort. Fait que. Nouveau prince, puis je me suis lié d'amitié avec. Les membres de la Camarilla. Ok. Pourquoi avant tu croyais pas à Cam? Non, c'est la Cam qui croyait pas à moi. Elle te le dira pas! Une astuce d'accueil. Ouais, c'est ça comme. Parce que faut j'aille chier, c'est dans qui. Excuse pourquoi. Mettons que mon dé il est plus fort que le tien. Mon dé il est plus fort que le tien. Bon, ouais, mettons que. Ok, mais pourquoi dans le fond c'est parce que ton clan, l'origine de ton clan, vous êtes pas apprécié par la Camarilla ou. Ben, si tu connais. L'histoire, les scores sont supposés nous éliminer. Mais le prince a décrété que ça se faisait. C'est quoi son apparence? En ce moment? Ouais, elle, physiquement? C'est l'apparence qu'elle a tout le temps. Hein? Puis. Elle est normale. Elle est normale? Ok. Elle n'a pas l'air d'une cabale au chien? Non. Ah là, à la limite, elle a un toréador. Il faut le classer. Les Toréadors sont en camp. Oui. Toi? Ben, il y a des antitribus. Il y a des antitribus, là. De base. Ça
m'as vu demander à un vampire? Bon, fuck off, moi je le sais pas, je suis un jeune vampire. Mais dans le fond, c'est quoi l'origine de tes ancêtres? J'en ai aucune idée. Tu connais pas ton clan ou l'histoire de ton clan? Non. J'ai la mère de ça, je suis devenu mourir. Oh shit, ça va d'une aventure. Classique. Fait que, non, c'est ça. J'ai plus de souvenirs de mon clan, je ne le sais pas. En fait, je ne l'ai jamais su. Puis comment tu peux savoir que tu n'étais pas la bienvenue à ce moment-là? Parce que quand tu peux pas dire au prince ton clan, des fois il prend mal. Ah, ok. Parfait. Puis dans le fond, on est deux sur le territoire qui se souviennent pas de l'autre. Négatif. Peut-être. Ok, ben merci pour tout et pour la conversation. Ça fait plaisir. Comme je dis, tu peux repasser pour les livres. T'as juste à me lâcher un petit coup de fil. C'est quoi ton champ d'expertise principal, toi? J'ai pas vraiment de champ d'expertise, juste une grosse bibliothèque. Ok, donc c'est la recherche, disons, ouais, les sciences un peu. C'est juste que j'ai amené ma bibliothèque d'Europe quand je t'amène. C'est des vieux lits que j'ai ramassés de vieux vampires, etc. Est-ce que tu, dans le fond, moi, des lieux comme ça, je trouve ça important de protéger ça? Est-ce que je peux aider à contribuer d'une certaine façon à la préservation et à l'entretien? Ben, c'est sûr que je voudrais pas qu'il arrive de quoi à ce qu'il y a ici. S'il arrive de quoi, ben, si tu peux venir m'aider, mais là, rendu là, on verra qu'est-ce qui va se passer. Ok, mais garde ça en tête, s'il y a quoi que ce soit, tu me le dis. Avec plaisir. Shit, vous m'avez dit un peu plus tard. Ça vous fait un affaire qu'il faut dire. Oh my god. Ça me censure bien par où? Hein? La fois que j'ai parlé. D'accord. La nouvelle discipline, le... Ouais, parce que... C'est malade, j'aurais pu savoir... avoir d'autres informations. Ah oui. Ouais, tu te l'apprennes, tu te l'inventes, puis tu trouves le moyen de faire ça, hein? Yes. Puis qu'on travaille. Fait que je vais quitter, dans le fond, je vais appeler mon chauffeur qui est sur ma salon. Ouais, il est pas loin, pas très menacé. Il était pas loin. Il était avec mes deux polygones. Oui. Fait que vous repartez. Yes. Même si Cédric n'est pas là, on peut quand même faire le bout à sortie 123. OK. Fait que, dans le fond, ce qui arrive, c'est que vous voyez un char qui pogne la sortie, il part à gauche, puis en passant en dessous d'un lampadaire, vous spottez comme. Shit, c'est un religieux, ça, qui est dans le char, là. Moi, j'avais botché mon gère. Fait que pas toi. Toi, t'avais... Ben, je pense, tout le monde avait eu un à peu près. Là, ouais, j'avais eu un. J'ai eu un aussi. C'est ça. Fait que tout le monde, vous l'avez vu en même temps, limite. Là. Il a passé entre la lumière, puis ça a comme. Et c'est sur quelle route, là? C'est une route celle qui. C'est-tu celle des serres de l'Éden? Ouais. Non, c'est le Grand Rang, c'est où est-ce que quand ça va voir les Serpions. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, mettons, la sortie juste après Sainte-Madeleine sur l'autoroute, là, tu sais, tu pognes. Ben, je continue, tu vas aller à Castelnau, puis le. C'est ça, le Grand Rang, c'est. Fait qu'il roule pas vite. Non, ben, vas-y, 80. Commence à accélérer. Si là, je t'en scellé, c'est quoi? Si tu pars une scellée. Mais toi, t'étais où? T'étais sur le pont. Je suis juste à côté avec. On était dans la ditch, là. Ben, ouais, faudrait voir aussi que vous étiez par rapport à. C'est... Ben, comme moi, comment je voyais ça? Moi, j'imaginais. Comment qu'elle s'appelle? Il y a des codes. La fille était sur une ferme plus loin. C'est vrai que t'es là avec toi, pas loin. Ah, moi j'étais caché, je me souviens plus, je pense dans une gueulée. Ouais, t'étais dans le fossé, je pense. Moi j'étais tout seul. Ouais, t'étais tout seul caché, ok. Ouais. Parce que comme, mettons, c'est ça, fait que tu as reçu un petit plan, hein?
Tu pourrais prendre la photo, mettre ça sur Instagram, le petit village. Tu sais, dans le fond, il y a la 20, là, tu mettons ici à Montréal, ouais. Ici, c'est vrai. Excellent. OK. Puis, genre, mettons, quand tu sors de l'autoroute, tu sors de même, ouais. Là, tu tournes puis à gauche pour aller à Saint-Hyacinthe. Là, il y a comme un truc de remorque, là. Mm-hmm. Puis, il y a comme une maison ici. Moi, puis, j'ai route mis... qui continue là, là. Moi, j'ai mis Anouk ici, sur le genre, top. Genre, c'est ça, sur le top. Fait que moi, je pense, tu sais, j'aurais mis du C4, genre, tout autour ici, là. OK, moi, je pensais que tu l'avais mis, genre, ici, ton C4. Non. Je vais pas faire ça tout le viaduc, juste okay. Comme tout le long de la route pour faire exploser la route, genre. OK. Ben, vu que t'as un succès, tu vas t'en rendre compte, genre, plus loin. OK. Puis, dans le fond, c'est ça, moi, tu sais, je pensais comme qu'on se parquait ici, là, mettons, proche de la maison, il y a une grange ici, les affaires, là. OK. Ouais, avec une scellée, je pense qu'elle pourrait essayer de sauter sur le toit. Parce que quand tu tournes ici, tu sais, mettons qu'ils l'ont vu, eux autres, pendant qu'ils étaient arrêtés avant de tourner, tu sais, ils accélèrent, mais... Ouais, ouais, t'es en train d'accélérer quand tu le vois, dans le fond. Tu peux courir comme deux fois plus vite. Ouais, c'est ça, t'as comme deux fois de la course, là. Fait que c'est quoi, c'est genre quoi, 20 km heure, 30, 40? Moi, je sais plus. L'habitude d'un humain qui court, c'est 20 km heure. Si ouais. Tu m'en scellais, c'est 40 km heure. Mais elle, elle a scellé deux. Tu sais, fait que je te dirais que ça fait comme trois, mais tu sais, fait que dans le fond... Tu peux faire quasiment 60. Je voulais faire un mini, mais je voulais pas faire des mini. Ça dépend à quel moment tu dis qu'ils le voient, eux autres, là, s'ils le voient direct à la sortie pendant qu'ils étaient arrêtés. Non, c'est ça, ils arrêtent, puis c'est quand ils tournent, puis qu'ils pongent genre un lampadaire sur le bord de... OK. Ouais, parce qu'on est plus loin, la maison ici, il y a rien, là. La maison est genre plus loin. Ouais, c'est ça, il y a comme un loup, ça fait un peu comme... Allez voir la map. La 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 la, avenue... Les habiletés, c'est pas combien? Les habiletés? Fois deux, fois trois. Les habiletés, ça ici, ouais. Ça c'est x3, x2 ton niveau. Okay. En fait, c'est pas tant logique, je pense que le C4 serait plus après nous autres parce qu'il faut que je les aille vus avant de le faire sauter. On veut pas être sur le C4 quand je le fais sauter. Donc, probablement que le C4 est un petit peu plus loin. Sauf toi, me semble que t'avais parlé, c'est une en dessous du viaduc, me semble. Non, j'avais parlé de les mettre au, pas en dessous du viaduc, mais au viaduc au début. Puis j'ai dit, ben non, j'ai probablement pas cette C4 pour faire sauter la structure. Okay. Puis j'y verrai pas à lui. Fait que je vous avais mis sur le bord de la route. OK. L'idée, c'était juste de rendre la route impraticable pour les arrêter. Mais dans le fond, moi, je te dirais que... C'est ça, le but, c'était une réussite. Vous n'avez pas le temps de réagir, vraiment. OK. T'sais. Mais vu qu'elle a de la scellée, je vais la laisser quand même. Après faire, genre... À part ça, c'est... Mais tu sais, elle sort, à part. Scellée, fuuu. Fait que je vais faire un jet de... Mais scellée, ça y prend un blood? Un blood. Yes, sir! Elle tombera pas en frenzy parce qu'elle s'assemble. Elle s'assemble, mais elle avait ça plus de blanc. Elle peut même pas sortir de griffe. Non, c'est ça. C'est un peu. Ben, ça, parce que ça serait très énorme, là. Ça serait énorme. Fait que là, ce qui arrive. Ah, darling. Ouais. Si t'actives ta scellée, là, il te ressemble là. Tu peux pas sortir tes gloves. Fait que là, ce qui arrive. Un peu, mais moi, j'avais. Il te reste un blanc puis de la cendre. Ouais. Mais la cendre, c'est pas. Mais la cendre, tu peux pas sortir avec ça. Fait que là, ce qui arrive, c'est que vous êtes dans le fossé, puis là. Genre, vous voyez comme. Vu que tout a botché, à la limite, t'as rien vu. Moi, je suis en train, genre, de me checker les pieds, là, je suis genre. Mais t'as checké ça, la belle bague, je me suis payée, t'sais. Fait que là, toi, t'es voué. Je me joue dans les cheveux. Ça me fait tellement beau ce soir. Fait que, Elinor, ce qui arrive, Elinor, tu. On connaît Elinor, fait que, prends, tu peux partir à courir après. Si t'actives ta scellée, tu te rends au char. Si t'actives pas ta scellée, tu te rends pas au char. Si tu te rends au genre, t'as pas de griffes. Si tu te rends au genre, t'as plus de griffes. Puis il faut que tu fasses un jet de dex athlétique pour sauter dessus. Mais mettons, que j'active ma scellée. Qu'est-ce qui arrive après? Frenzy? Non, elle a non. Du. Elle a du blood inutilisable dans le corps. C'est juste. Anouk, elle l'a plus utilisé, mais. Anouk, elle, non. Dans le fond, je pourrais plus utiliser mes. Tes power. C'est ça. Tu vas pouvoir utiliser tes power qui n'utilisent pas de blood. Fait que là, tu pars ta scellée et tu sors. Fait que fais un dex à la scellée. T'es au courant qu'on a un sniper de poisson, hein? Faut que tu fasses. Faut que tu fasses 3 réussites pour sauter. C'est quoi? 4 réussites en fait. C'est dex athlétique. À peu près 4 réussites. Ça, c'est Defender. C'est combien? C'est 6 et plus. Ça sent B. Pourquoi t'as passé un des 20? Oh! Wow, c'est un des 20, on triche pas.
Hey, c'est toi qui l'ai sorti! Ben oui, mais pas parce que je me sors le D20 qu'il faut que tu y touches. J'ai 13! Fait que là, ouais, vous autres, vous voyez comme il dort sorti du fossé. La notion de conscience. En toute sa sagesse. En toute sa sagesse. Et elle saute une charge, genre, PAC! Fait que là, genre, vous voyez tout ça. J'ai quasiment du goût de faire moi, un clin d'œil à Jules avant de partir. Je suis genre, huge, what the fuck, parce que j'ai même pas vu c'est ça. C'est sûr que ça fait ça, je jumpais sur un charge. Mais tu t'en doutes, tu sais. Hein? Ah, il doit avoir un sabbat dedans. Pépé, ouais, là. J'ai quand même 3 dans tout. Peu importe si j'ai pas mes pouvoirs. Ouais, mais. Moi, j'enlève les doigts de dans mon nez. Attends, je veux juste aller voir c'est qui là qui est dans la chambre. C'est ça, un round, un doigt, l'autre round, l'autre doigt. Dans 3 actions. Je sors mes 2 doigts, puis je les mange. Ça goûte le bloc. Okay, non, ça signe. Non. C'est beaucoup trop long. Non, mais c'est parce que pendant que je fais ça, moi je check qu'est-ce qui se passe. Parce que je trouve c'est quoi les noms des gars. C'est, ok, c'est ces deux-là qui sont les là. Les gars? Ouais, ils sont pas juste un dans le champ. Okay. Non. Toi, quand tu cours, là, avec ta vision de Gangrel, tu vois qu'ils sont 3 dans le champ. Ok. Il y en a un chauffeur, habillé en curé, un côté passager, puis un sur le banc arrière. Le curé de le chauffeur? Ouais. Ben, t'as le curé qui drive le pape, le pape. Le pape qui drive les deux autres. Hey, les deux autres doivent être importants. Non, non, les deux autres, c'est... Les hunters, puis... Dans le fond, tu me dis, un cul... Dans le fond, c'est 3 habillés en religieux. C'est un religieux, puis les autres sont pas religieux du tout. Okay, ils sont plus équipés en... Normalement. En gear. Ils ont genre un soupe de cuir noir, là, tu sais. Tu vois pas tout ce qu'ils ont, là. Un hunter. Tu vois qu'ils ont quelque chose. C'est des humains, j'ai 3 de force. Ah, hein, il va, il va. Fait que, puis si okay, ça peut te donner confiance, il y a un qui s'appelle Valentin, tu sais, gars. Il goûte le hot dog. Fait qu'il y a quelqu'un ici en arrière, puis il y a deux personnes quelqu'un en arrière. Puis c'est lui. Est-ce que les fenêtres sont ouvertes? Non. Fait que tu sautes sur le char. Les autres font fuck, c'est si initiative, bien sûr. Ah, c'est moi? Oui. Combien de dés? T'es la seule folle qui s'est fait. C'est un peu toi. C'est Dex, Dex plus Wix. Ah, ok. Lâche pas. Dex. Dex. Vas-y, Fem. T'as survécu. Wix. 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 Ça, c'est un 1. J'ai pas tant de dettes. Si elle connaît un de mes secrets, c'est pas tant de dettes. J'ai 3 réussis. J'ai 3 réussis. Oh, putain. Ici, nous autres, on a connu. Non. Le petit. Ici, nous avons le petit Raphaël. Raphaël qui a. Qu'est-ce que je peux faire? Wits. Que faire? Que faire? Hey, tu m'as donné un arme? Oui. Ah oui? T'as combien de réussites? 3. Ouais, on a donné nos weapons à tout le monde. Parce que t'arrives avec son truc, avec son jeep plein de. Doit avoir un gun. Il va faire 5 dés de dégâts. Ah, pas vrai. 5 dés, un gun. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est mais dans un. Ah, mais c'est cool, pas grave. Je vise. Là, t'as. Moins un petit riz, parce que... Ouais, ouais, ouais. Je vise quand même le petit consisteur qui pourrait me faire mal avec de la religion. OK. Ouais, c'est vrai qu'il chauffe le char, il a le temps de faire... OK, vas-y. Non, mais vas-y. Ben, quoi, vas-y? Tu fais quoi? Ah, ben, Dex Firearm, difficulté de 7. Dex Firearm... C'est vrai que... Si j'ai pas de Firearm, c'est difficulté 8. Ça s'en vient difficile, hein? Je pense que ça va s'achever là. Non. Fait que tu tires, tu pètes la vitre. Ah, bah c'est bien. Fait que tu pètes la vitre dans l'arrière. C'est quoi ton gun? Tu donnes un petit gun. Ok. Les gars, j'avais un à toi. Le gars en arrière. Ben, ils m'ont entendu. Hein, mais ça va être bon quand même pour la subtilité de la situation. Fait que ici, on a un. Moi, je pense qu'au niveau du plan, là, que t'avais établi. Ah, ça va être ça, c'est. Génial. Ah non, il n'y a personne qui nous a entendu nulle part présentement. Okay. On est des ninjas. Hey, le but, c'est des actions. Fait que. Tout son monde, on devient des ninjas.
que je fais? Je sais pas. Non, ça fait absolument rien. Genre, son attaque, je fais. Comme il casse de quoi, là, je sais pas comment ça se fait de l'air du Hunter Aces. Fait qu'il crie de quoi. Tu as essayé un Bubby. C'est ça, ouais, ouais, n'importe quoi. Okay. Il a tellement besoin d'attention là, qu'il se fait saigner. Saigner? Saigne de la dick, hein? Il a pas un hélicoptère tantôt. I got the power. Fait que là, il y a un vampire qui est allé faire saigner le petit. Fait que, oui. Fait que vous voyez ça. Hein? Elinor qui saute sur le char. Puis le char, il s'en va. Là, mettons, un petit peu plus loin, vous entendez un coup de gun, puis la vitre péter, puis. Fait que là, toi, c'est ça qui te réveille un peu, tu t'entends une vitre péter. Qu'est-ce que c'est ça? Toi, t'entends ça? Tout le monde entend ça, c'est le village, les lumières commencent à s'allumer dans le rang. Tout le monde lâche tes pieds ouverts dans les plans. Moi, je suis là. Je pense que j'aurai de la job à faire à toi. Ce sera pas inutile, ça c'est sûr. Yeah. Je ne serai pas inutile. Mon OBA va servir à quelque chose. Yeah. Ah, tu vas faire la healer peut-être. Ouais, moi, healer les hunters. Ça va pas m'enlever de l'humanité. Pas encore. Il lit des Hunters, Steve, on en gagne. Attends, lui, il peut modifier. Il peut être en haut ou en bas, non? De quoi ça modifie? L'humanité. C'est à 5, ça. Quoi ça? C'est ouais, 5 de... C'est enlevé ou... C'est redonné. C'est juste redonné. C'est juste redonné. C'est juste l'humanité. T'en veux-tu? Non. Oh, fait que là... Peut-être. Je sais pas qu'est-ce que vous deux vous faites dans le fossé. Pas obligé de tout la redonner non plus, hein. Donner un petit peu. Anouk, ben, elle dit à Cédric, je peux tirer, mais il y aurait des chances que je prenne l'autre. Collateral damage. Mais, c'est ça. Okay. Moi, je dis. Cédric dit. Je dis non, c'est pas vraiment eux la cible. Laisse le nom faire sa job. Ah, allez. Ok, Prince. Si on voudrait quand même pas passer ailleurs, non. Déjà qu'il n'y a pas forte. Bon, on va continuer avec toi, Valastan, c'est tout ce que tu sais. Il s'en va au cégep. Il s'en va au cégep. Je fouille. Je vais trouver les bodies. T'arrives là, ça te fait rien, c'est mort. Ok. J'essaie de voir s'il y a quelque chose autour du cégep. Perception, alertness. Tu vas prendre un guess ou... Le gars il prend plein de dés. Ah shit, zéro. Fait que c'est le tour, tu vois rien pas toi. Toutes les portes sont barrées, y'a personne, y'a rien. Bon, c'est un bit 10. Un décharge. Plus haut, mieux que c'est. Hein, c'est pas drôle. T'as combien? Un. T'as ton lucky? Non. Non, pas pour ça. Un. Okay, tu l'as vraiment fait pas. It was not meant to be. Ben, ça dépend aussi, ça dépend de toi, tu sais. Fait que là, il y a un agent de sécurité qui s'approche de toi. Il fait comme, qu'est-ce que tu fais sur le terrain? Avec sa flashlight dans ta face. Okay. Moi, je suis dans l'immo aussi. Dans le fond, j'imagine qu'il me fallait le short pour investir. Ben, moi, je pensais que t'allais voir les portes. Si t'as pas été voir les portes, t'as juste tourné, t'es dans ta limo. Moi, j'aurais pas nécessairement sorti. Okay. Je sais pas si c'est correct. Ben, dans le fond, il s'approche de la limo. Okay. Parce que la limo, elle fait pas du 120 km/h dans le parking. Fait que tu vois qu'il y a un agent de sécurité qui s'approche de la limo qui a une flashlight. Okay. Bertrand, te regarde. Bertrand? C'est ton chauffeur? Ok, excuse. Okay. Je vais regarder mes talents. Ok. Pendant que tu regardes tes talents. Ouais. Fait que toi, genre, c'est ça qui arrive. Il me manquait. Dans le fond, il a raté le spell qu'il voulait faire sur toi. Fait que, nouveau round. Mais non, il y a juste lui qui attend. Ce round-là, oui. Ok. Il y avait juste lui, l'autre, il va faire des fois ce round-là. Il y en a pas trois. Ouais. Mais il y en a un, c'est parce qu'il conduit l'auto. Ok, ben, celui que j'ai visé, dans le fond, il n'a pas rien fait. C'est ça.
Dans le fond, c'est celui sur le banc, dans l'arrière, qui a essayé de me casser. De casser quelque chose. Puis celui sur le banc du passager, tu vois comme... qui t'a vu, puis qui fait une initiative ici. Moi, une initiative, oui. Non, toi, t'as l'autre dans la main. C'est lui, j'avais pas fait. 0, 1. Fait que c'est toi, puis lui, puis là. En fait, il y a sur du second. Fait que là, moi, ben, je reprends mon père en haut, puis j'essaie d'attaquer celui qui vient de me casser. OK. Fait que, vas-y, tire, oui. Non, t'as pas de moins ce coup-là, il est comme à côté. Parce que le fond, t'es proche, fait que t'aurais plus à le toucher. Moins, ça s'annule. Fait que t'es à la difficulté 6. Deux fois, fait que c'est 5D plus 1, dans le fond. Un qui touche, l'autre qui rajoute des dégâts. 5D. Plus 1D. Mais pourquoi tu me dis pas 6? Ben, je veux que tu comprennes la formule. OK. Fait qu'il faut pas que je les fasse en même temps. Oui, tu peux les faire en même temps. 6D. 7. 8. 2. Et j'y fais 1 plus 1. J'y fais 2. Ouais! Ça a l'air de se faire un petit peu mal, mais c'est pas si pire. Il a l'air d'avoir un jacket. Fait que... Il refait la même... Non, ça c'est son autre ami. Tu vois que l'autre, il incarne de quoi? Il doit être arrivé. Ah, oui, il est là. Tu veux aller cliquer sur lui, s'il te plaît? Fait que tu vois que là, celui sur le banc d'en avant, il fait ça, genre... Puis un couteau qui apparaît dans sa main. Et c'est ce qu'il fait. Et l'autre refait l'incantation de mon gars. Il a dit 5 livres. Est-ce que ça roule tout le temps, c'est toi? Oui. Mettons que je dirais à Camille oui. D'aller le rejoindre, là. Y a-tu assez de scellé? Camille, il est avec ça? Ouais. Non, il n'y a pas de scellé. Y a-tu de scellé? Oui. Ben, il dit, j'aurai pas le temps de me rendre. Il peut pas se rendre. Attends un petit peu, je vais checker. Camille, ça, ses capacités. En fait, il dit. Ah, ben oui, Chris, il dit, ben oui. Il se transforme en oiseau. Fait que l'autre, il te fait une incantation de mongol. Allez. Fait que t'as plus un de difficulté sur tout ce que t'essaies de faire. Ah. C'est fatiguant, hein? Un peu. Fait que j'ai sauté sur le char avec un religieux dedans. Hein? Tu m'as entendu? Fait que dans tout ce que t'as vu avec Anouk, il était tout en sous-titres. Elle est sortie du fossé, elle a activé une scellée pour se rendre au genre, elle a sauté dessus, elle a sorti le gun, paf, elle a tiré dedans. Fait que là, t'as entendu un coup de gun, une vitre pétée. Puis là, après ça, ben, ils sont partis dans la nuit. Mais dans la nuit! Partir dans la nuit! T'as pas de la scellée, toi. C'est le même. Si t'avais de la scellée, t'aurais pu, je t'aurais dit, tu peux utiliser pour essayer de te rendre au char. Là. C'est juste conjurer un petit muret de béton en face pour l'arrêter le char. Ah, ok, bon, on peut te le faire. Tantôt, là. Ben, fais un nini. Le gars, il arrive aussi. Ça, c'est un livre de donjon à Saint-Paul. Ben oui, non, mais ma paye. J'ai acheté deux sacs, mais c'est pour moi uniquement. C'est ça. Bien, ça coûte combien? Je veux dire, c'est quoi la grosseur de l'objet que tu as donné? Ça dépend du nombre de succès que je prends. Ah, ok. Ouais, mais mettons qu'il y a un mur. Mettons qu'il y a un mur, là. Moi, je suis pas tant attaché. Parce que l'affaire, c'est ça, c'est que ça dépend de l'initiative. Si il va en initiative. Elle va faire la main. Ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Fait que dans le fond, ouais, ce round-là, tu voudrais que tu décides. C'est le round qu'elle saute dessus. Toi, tu fais comme. Je fais-tu un mur? Ben, ça va être sur le char. Moi, je le ferais si je te tue. Oh, encore une fois. De toute façon, elle va triper. Elle aime ça. On a un healer. On a un healer. Je veux dire, ok. Il pourrait pas la healer. Genre. C'est ça. Ben, non, oui, c'est vrai. Si elle est bruised, hurt, ou ça fera pas. Je peux la healer. C'est deux. C'est tout ici. Ça se peut qu'elle me tue par après. Bon. Fait que dans le fond, c'est elle qui a sauté sur le char. Là, ce round-là, elle a tiré juste avant que toi, tu puisses summoner ton war. Fait que je vais prendre un will. C'est trop cool ton affaire. Là, vous allez voir ce que je suis capable de faire. Aussi, apparemment. Mais à la limite, ils ne savent pas que c'est toi.
Moi, la discrète. Ben, c'est que j'active ma thaumaturgie. Premier round, si je vois le char, si on voit, je vais activer ma thaumaturgie, puis là, je vais le faire. Parce que le round. C'est un round pour activer la thaumaturgie. C'est quoi la distance? Ouais, c'est quoi la distance d'abord? Ça dépend du jet. Ça dépend de la difficulté que tu mets. Vu que c'est pas collé sur moi, c'est plus dur. De base, c'est parce que si elle avait pas été scellée, elle se serait jamais rendue au char. C'est pour ça j'ai dit elle peut se rendre. Fait que le premier round, il y avait déjà une distance par rapport aux autres. T'sais, ils ont comme... Tu peux mettre... Normalement, c'est difficulté 8, mais tu peux booster ma difficulté, pis c'est tout. Bon, on va mettre 14. Non, non, 9. Je suis plus 14, moi aussi, prends. Parce qu'en principe, tu la voiture, mettons, à 60 km/h parce qu'elle t'en vient de la tellerie. C'est tellement ça parce que normalement, si la voiture avait mis dans 60 km/h, parce qu'elle accélérait, c'est 1 km/h. Après, le char est déjà passé. Il est déjà passé. Mmh. Fring, faut que tu revoies le temps. C'est fou, là. J'ai pogné comme 3-8, mais pas de 9. Viens essayer. Bon, parfait. Maintenant, okay. Non. Tasse-toi à Jill. Tasse-toi à Jill. On te regarde en mangeant du popcorn. C'est ça, genre. On mange des chips, des oreilles. Fait que. Là, c'est le nouveau round, dans le fond. Faut-tu que je fasse une initiative encore? Non, l'initiative va toujours rester pareille. Bon. Ça va toujours être toi, le celui en arrière, puis celui. Non, celui en avant, celui en arrière. C'est ça. T'as plus d'ennemis que les autres? Ouais. Dans le fond, elle a 3, l'autre a 1, l'autre a 0. Si je le mords, c'est-tu. Faut que tu rentres dans le char pour aller le mordre. Ben, ça, t'es comme après la valise. Ouais. Là, tu sais, pas mort du sang. J'ai comme pas une vitre qui est éclatée dans ma face. Ouais, mais faudrait que tu rentres dans le char. Ça va vraiment goûter de Valentine. Parce que le gars, il s'est viré de base. Parce que il est comme. Non, mais à trois de force, là, je suis là, derrière un char, je suis capable de. Mais fais force athlétique, tu rentres dedans. Mais c'est ton action. T'es en train de. Sur un char, c'est cool. Puis là, le vieux, il a pas encore commencé à devenir tout rouge. Le vieux n'a pas commencé à donner des coups. Force. Toutes les grandes rats, elles vont à l'âge. Athlétique. Il ressemble-tu à Bertrand? Wow. Non. Roger. Tu rentres. Fait que tu rentres dans le char, puis tu réussis à vraiment. Si tu veux, tu peux rentrer complètement dans le char. Ouais, je suis dans le char. Fait que t'es dans le char à côté de lui. Fait que là. Ma tâche. C'était la difficulté, ça. Parce que toi, t'es plus en difficulté pour l'instant, mais tu l'as parlé. Moi, j'avais. Je m'attache. Laisse-moi miroir. Comme test. Ok. Fait que là. Ah, oh, je te Qu'est-ce que c'est passé là? J'ai fermé la page avec les informations que j'avais besoin. Pas pour faire ça. Ah, oui. Je suis rentré dans le char. Ça, c'est de la bouche. Bon, mangez à la tête, quelque chose en même temps. C'était genre assurte les deux, quand même, guys. Non, mais il y a un gars en avant, il y a un gars en avant, puis un gars en arrière. Ah, ok, il y a juste un gars. Même pour mon Jules, qu'est-ce que je ferais pas? C'était cool, ça. Puis Jules, il est genre comme. Ah non, tu sais, pas notre principal. Il regarde encore une toile. C'est pas après ça, tourner. Hey, tabarnak là. Finalement, j'étais genre pour rentrer dans ma chambre, j'ai fait. Ouais, oh, Camille, tu l'as donc, finalement. Va chier. Fait que. Mais j'ai pas. Ok. C'est bon. Mais là, il a un blob pour une série, fait qu'il n'y a plus de blob. Il reste juste la cendre. Puis là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? L'autre, il bouge pas, puis il attend. Puis l'autre. C'est lui qui est en avant. Lui, c'est seulement une blade de dernier tour. Oh! Blade of Conjuring. Qui fait pas ça? Le gars assis en avant. Ça s'appelle Cleave. Power Hunter. Ah ouais, le religieux? Mm-hmm. Non, pas le religieux, le hunter. Ah, le gars, c'est le passage jaune. Bonne nuit. Fait que. Il est avec une arme. Allez, là. Ici, comme ça. Fait que Dex. Oui? Fait que celui qui est assis sur le banc avant, genre. Il s'est pas reviré, tu sais, les autres, t'as pour dire aux enfants, Chris, puis là, son tour est fini. Non. Ah, parce que moi, quand j'ai juste entré dans la chambre, on peut. C'est pas pareil. Bien sûr. Fait qu'il s'est reviré, puis il y a comme une lame qui a l'air un peu magique. Là, il fait, yo, t'as attaqué.
Mm-hmm. Fait que deux réussites. Ça fait. Plus sa force à lui. Plus la force de l'arme. Fait que là, ça va être stamina plus fortitude. Pour encaisser les deux de dégâts qu'il t'a fait. Fait que moi je suis à côté dans le fond d'un gars. Ouais. Qui te regarde. Ouais, mais moi aussi j'ai raison au début de le point que j'avais écrit tard. Fait que fais les dates à faire. Tu as pas tes cris. Ouais, hein. T'as-tu la potence? C'est non. Où ça? Non, t'as pas la potence. Mais non, mais écoute, là, sa ceinture est juste là. Ouais. Je clique dessus puis je l'ai cliqué. Ok, ça. Ben vas-y, fais force athlétique. Attends, fais un jeu d'intelligence. Hey, je suis brillante. Quand t'essaies de faire ça, lui fait lâche-moi! Wow. Attends, force athlétique. Ouais. Ça fait le tuer. Hein? Non. Un jet de streetwise. Ça va te prendre 6 réussites. Mais voyons, j'ai 5 dés. T'arrives le poignet, tu es comme. T'arrives le poignet, lâche-moi! T'as eu peur de lui. Arrête, j'ai 5 dés, 5 réussites. Ben lui, tout 5 dés, 5 réussites, ça t'en prend de 6. Pour le battre. Exactement, force rôdeur. J'ai 3, 4, 5. Fait que là, ton ami, c'est le banc dans l'avant. 1, 0, 1. Touche. Fait que Tam est sorti. 3 réussites. Tu manges 3, c'est 3 létales. C'est lui qui a mon crayon. Ah, c'est une marque. Fait que je mange 3 là. 3 dégâts, ouais. Tu ne pourras pas te soigner. C'est un nouveau round. Donc, nous autres, on embarque dans les chars et on part après. Ben, ouais. Je sais pas, hein, faites de quoi? Ben, moi, je l'ai dit. Ouais, moi, j'ai dit, on embarque dans les chars. Moi, je t'ai dit stand down, c'est pas eux autres, notre cible. Tu fais ce que tu veux, mais le prince vient de dire ça. Pourquoi c'est pas eux autres? C'est eux autres. Non, c'est pas eux autres, notre cible. Mm-hmm. Non. Ben, c'est ça qu'il me dit. Vous le savez pas? Toi, tu sais pas ce qu'il y a dedans? Non. Oui, j'ai même pas vu qu'il y avait un prince. Ah, ben lui, il m'avait dit que c'était eux, là, ben, non, mais toi, tu sais. Moi, j'ai vu le moi, j'attends les fucking voitures blanches, j'entends le monde qui débarque, genre, de l'aéroport. J'entends, fucking hein, c'était eux. Mais ben non, c'est pas eux. Ok, c'est eux. C'est eux, mais toi, tu sais pas. Mais non, je sais pas. Mais je pourquoi ça serait eux, parce que c'est censé être l'église qui s'en vient. C'est censé être l'inquisition. Eux autres, ils étaient déjà là. Mais c'est eux qui m'ont. Oui, je pense que c'est eux. Ben, il y a un prêtre, puis deux gars. Ok, il y en a peut-être d'autres qui s'en viennent. C'est des nouveaux Hunter. Tu les avais jamais vus. Ok. Bon, on en avait déjà deux dans notre monde. Fait que, ben, c'est à toi. Que fais-tu? Je réessaie. Tu réessaies? De le mettre dehors. D'accord. Touche-moi pas. Là, il n'y a pas de réussite. Là. 3 réussites. Fait que tu le pognes, genre. Pff, fait que là, il revole un peu en bas. Est-ce qu'il revole en bas? On va faire un jeu de dex. Il reste comme de même sur le bord du char. Il n'y a pas de quoi, là, ça. J'avais dit. Fait que ton ami, il essaie de te frapper avec la lame. Hey, c'est l'hérité combien d'années? Juste la première. Fait qu'il touche encore. Fait que c'est un forti. Non, non, pas réussir. Mais genre 10, 10, 8, 5, 5. C'est difficulté 7. J'ai une réussite. Tu manges 2 de dégâts. Je prends mon arme et je la casse sur le. Sur la fesse du gars, non. Il est assis ou pas? Celui que t'as pris dehors, là, lui, il est de même dans la fenêtre. Le chauffeur, il chauffe, puis l'autre, il est comme là, puis il plante. Sur la tête du chauffeur. OK.
pourquoi pas le... Fait que c'est difficulté... Parce que le chauffeur, c'est un religieux. Difficulté de 7. Au final, tu sais, les deux autres, c'est des humains. C'est quoi? Le dex. Difficulté de 7. T'es-tu en train de dire quand t'es un religieux, t'es pas un humain? Ah, mais t'as tout fait, pis moi, ben, je suis un vampire. C'est juste dex en plus. C'est dex par arme, difficulté de 8, dans le fond. C'est du religisme. J'ai difficulté de 8, ouais. Deux réussites. Tu peux pas donner une balle. Ben, ça s'accote dessus. Fait qu'il fait ça, là. Ça s'accote dessus, fait que t'as un dodge pour ça. Hein? Ouais, tu peux, mais tu peux dodger un attaque, point blank. Ah, je savais pas. Ouais, mais tu peux pas. Tu sais, si t'avais tiré de loin, ça aurait été difficulté moins 1. Mais elle aurait pu. Il aurait pas pu dodger. Fait qu'il. Ben, il l'a pas pareil. Fait que. Vas-y, fais tes dégâts. 5, 2, t'as combien de dégâts? Ben, une. C'est deux. Fait que 5 dé, ben, moins 1 de lui. Fait que t'as 5 dés de dégâts. 5 dés de dégâts. 7, 6, 8, 1. Deux réussites. Deux réussites. Tu le pognes genre dans la mâchoire. Voyons, je suis dos à lui. J'ai le pognon pour la mâchoire. J'ai le une bosse, là. Tu sais, le rang n'est pas beau. Hein. Dex fire. Une oreille, quelque chose. On va faire un jet drive là. C'est pas de firearm. Mais on a donné un, mais moi, je suis pas capable d'utiliser ça. Le char, il fait genre. Il réussit à rester, mais il a mal à la tabarnak. Tu niaises là, j'ai pas une dans la tête, pis il continue à conduire? Non, il a juste pas perdu le contrôle. Ça veut pas dire qu'il va pas rouler jusqu'à Saint-Hyacinthe, là. Oh, oh, oh. Non, je vais mourir avant! Ben oui, ça c'est bien. Qu'est-ce que tu fais là, le qui? Camille, il l'a pas rattrapé? Camille, ah oui, c'est bon. Oui, vous l'avez 3 rounds? Non, mais je mettais un dé, il reste un round. mon ami, son épée. As-tu des nouvelles fiches pour peut-être un perso à soir? Parce que... Non! Non, pas! Ça t'intéresse pas de faire un dos? Ça fait des dégâts, fait que fais Forti Stab. Tu fais un autre Kevin, je vais me faire un challenge. Ben oui, très bien. C'est pas si tu penses que c'est une nouvelle venue. 7, 9, 8, 3. Fait que tu manges 3 de dégâts. Non, mais je suis morte. Ben tu sors en torpeur. Fait que, tu sors en torpeur. Pis là, Camille, il va. Camille, il y arrive. Ben ouais, il fait ça. Fait qu'elle n'en donnera plus. Elle va y en redevoir une, elle se dit. Non, il m'en doit une. Fait que, oui. Ben, après ça, peut-être plus. Après ça, peut-être plus, mais j'y en aurai. C'est tout le temps une histoire comme ça, avec elle, ça sert. C'est-tu beau comme histoire? En fait, ça a toujours été dans un sens, là. Ça va être la première fois qu'il me sauve. Fait que là, vous ne partiez pas. Ben, moi, j'y vais. Toi, tu y vas pareil? Moi, je suis parti. Ça, okay. Moi, j'ai embarqué dans le genre, j'ai comme fait. C'est pas eux autres, je dis oui, c'est eux autres, moi, je pars. Ok. Ok. Moi, tu m'as-tu dit d'embarquer avec toi? Ben, t'es dans le fossé. Moi, je pars. Je... Il est plus en action. Moi, je suis en mode action, là. Je sais que toi, tu te bats pas. Okay. Fait que moi, je suis dans le fossé, je suis là comme. Là, tout le monde part, là, t'entends des criquets. Je vous frotter les pattes, je vais vous lire. Pour le moment, il y a juste moi qui est parti. Là. Toi, tu dis. Toi, tu dis quoi? Quand tu dis. Non, c'est pas eux autres, c'est Tandam. Je dis oui, c'est eux autres, c'est notre site. Puis moi, je pars. Peux-tu faire respect quelque chose juste pour voir son aura, voir qu'est-ce que je vois dans. À lui? Ouais, dans ses intentions. Ben, à lui? Ouais, à lui. Ouais, vas-y. C'est perception, empathie, difficulté 8. Perception, empathie. Ils dormiront pas de la nuit. Je vais vous donner une carte. Ouais, on se tient. Non, vraiment pas. C'est ces enfants-là. Tu as pas ça pour le rapport? Non, oui, peut-être. Ça enregistré. C'est une blague. Oui, moi aussi, c'est une blague. 4 réussites. 4 réussites. Oui, t'as de la conviction. Oh, ouais. Certitude. Lui, tu sais, il est convaincu, là. OK. Tu sais, c'est ça. Le petit meurtre disparaît. Le petit meurtre disparaît. Tout en l'air. OK. Fait que tu. Moi, je me dirige vers le champ. Tu fais quoi? Tu nous vois dire. Ben, v'là deux rangs. Dans le fond, tu peux prendre un autre champ. Anouk, elle descend du top, puis elle a pas de chose. Ok, elle a son char. Hein? Ben, histoire courte, peu importe ce qui arrive, toi, t'es le premier à partir et tu vas arriver finalement. Tu vas voir. Tu vas arriver dans la rue. Tu vas voir Camille qui est en train. Qui vient de déchirer complètement un prêtre. Okay. Elle est à terre dans la rue, puis il y a comme du sang partout, puis il y a des traces de sang, de char qui s'en vont. OK.
Que le char, il est plus là? Le char est plus là, Camille est là, le restant de prêtre est là, puis elle est à torpeur. Fait que le gars que j'avais crissé hors, ben il est remonté dans le char. Comme, ouais. Il est resté là. Il est resté les fesses sorties du char, là. Puis c'était le chauffeur qui s'est fait tirer? Le chauffeur, ouais, dans le fond. Le chauffeur, c'était pas le prêtre. Camille, ouais, c'est ça. Ouais. Camille, il dit, quand je suis arrivé, un char est arrêté, j'ai sorti le chauffeur, puis je l'ai découpé, genre, de mes griffes, là, tu vois qu'il y a des clefs ça de l'angle. Je l'ai découpé, puis pendant ce temps-là, l'autre petit Chris, il est parti. Puis okay. Il dit, là, j'ai sauvé Linard parce que là, il est encore pas. Il était deux dans le char, là. Ah, il dit j'ai pas eu le temps de. J'ai pas eu le temps de donner un coup sous le char. Là. Oui, cet enfant qui tourne. Donc. Ça c'était le prêtre avant qu'il meure. Ah, le prêtre! Ah! Ben, on fouille le prêtre. Du loot! Il va à ma peur. Fait que, je vais essayer de continuer. Mais c'est de voir si je suis capable de. Ok, tu vas dans ton char, puis tu continues. Puis finalement, tu vas voir comme tu as il n'y aura plus de sens à ses roues. Là. Mais tu vois qu'il a comme descendu jusqu'en ville, probablement. Fait que tout arrive, tu fouilles le prêtre. Tu sens, comme à mesure que tu t'approches, là, tranquillement, il y avait un aura un peu religieux là, qui fade out, là, puis Mané est juste mort. Là. Fait que. En fait, l'aura religieux est resté un peu après que lui soit mort totalement. Puis, tu vois comme Camille qui tient Lina sur son épaule, là. Elle a comme trois coups d'épée dans le chest. Ok. Sur le prêtre, y'a-tu genre une pièce d'identité ou quelque chose qui peut me donner l'intention de savoir qui vient? Il a son permis de conduire. Ok. Puis, il s'appelle Jean. Puis, il vient de Saint-Hyacinthe. Jean, puis il vient de Saint-Hyacinthe. Un autre. Puis y a-tu genre des clés sur lui, quelque chose comme ça? Non. Les clés sont restées dans le compteur. Lui, ben, je vais l'amener dans l'onglet cimetière. Je vais te mettre un onglet cimetière. Fait que là, il y a James, puis il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde? Ah, ouais. Il y a deux personnes que vous savez même pas les noms. Charles, lui, Diablerie, ça va le nom. Non, pas ce tour-là, tu vas aller dans. Comme ça. Fait que nous avons ici un prêtre mort du nom de Jean. Et raison du décès. Déchutage. Tranché. Tranché par Camille. C'est-tu beau ça, hein? Camille, c'est lui qui a le plus de kills. Chaque qui filme. Le plus de kills? Ouais, lui, avec ses diableries, c'est des kills, hein? Non. Ah non, c'est pas des kills, c'est des emmagasinages. Non, c'est pas ça. C'est de la transfert de données. Ouais, c'est vrai que... J'ai uploadé dans mon test. Un bon coach. Mmh. Fait que toi, finalement, t'arrives avec les autres sur la scène. Avec Anouk, là, ouais. Non, Anouk, elle n'a pas de char, elle est arrivée avec... Dans le fond, ils n'ont pas le choix d'en remarquer tout. Fait que t'es arrivé avec le prince, là. Ah, on l'embarquait cool. Avec Bennett. Il y a juste tout des parties comme une balle. Fait qu'il restait tout à nous, le prince. Bennett. Bennett, il y avait sa Jeep aussi. On va t'embarquer avec sa Jeep. Fait que c'est. Fait que là, t'arrives là-dessus. C'est ça. T'as Camille qui a une nard sur l'épaule. T'as un prêtre qui est tout vert en deux. Ça te lève le cœur. C'est pour ça que je vais revenir. Tu roules de quoi pour que. Si tu regardes 10 sur A, si tu regardes pas, t'as pas à rouler de quoi, tu sais. Ok, non, je regarderai pas. C'est ça, tu t'as pas vu voir ça. Puis là, il y a une vache qui passe. Là, je roule de quoi? Là, il n'y a pas de vache qui passe. Tu sais, il y a un masque de jus que t'as pas à rouler. Ah, mais après, une affaire que tu mets les autres dans un safe ou whatever, tu vas l'envoyer dans le. Dans le corps de gars. Exactement. Moi, dans le corps de gars, il va péter des crises comme ça. Tu sais, son cœur devant toi, il va rebattre. Il va se arrêter. Là, lui, il est pas là? Lui, il est là, oui. Ben, je vais revenir. Non, mais t'es parti, tout le monde. Tu sais, toi, t'arrives là,
Moi, quand je suis là, puis que je vois. Tu sais, peut-être 15 secondes plus tard. Là. OK. Tu sais, ils ont quand même suivi pas trop. Ouais. Mais quand j'arrive. Je vais partir, puis je vais finir par revenir. Ouais. OK, oui, tu veux tout, tu repars, puis tu reviens. Okay. Mais quand j'arrive, il y a le prince, Danit, moi. Et Camille avec elle sur ses épaules, ouais. Qu'elle est inconsciente et qu'elle se met à blesser. Elle a trois coups de d'épée dans le chien. Ok. Mérite, brûle. Ah, mais yeah, non, tu peux pas le voir souffrir. Il souffre plus. Il souffre plus. Ah, il est ouvert. C'est moi comme j'avais du sang. C'est-tu du sang qui coule de moi ou c'est de la poussière? C'est. Ça va être de la poussière. 5 potes. Tu prends ça. C'est poussière. Rajouter de l'eau brassée, ça fait du sang. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, mais ça coule de plus bien. C'est ça. Okay. T'es-tu capable de faire quelque chose pour l'aider ou... Oui, embarquez-la dans le char, puis laissez-moi tout seul avec quelques minutes, puis... Camille, il pogne, il drop sur le siège arrière de la Jeep, puis là, ça saute. Ah non, je ferme la porte. C'est un Jeep, comme moi. OK, ben je lui demande de sortir. Il reste, c'est un Jeep. Non, je pense que tu comprends pas, là. Moi, je te connais pas. Il y a des griffes sur le long. Camille est un peu plus wide que moi. Tu vois? Le gars, il a une moitié de face de loup. Oui. Il a tellement pété de rage que... C'est mon papa. Elle est là, c'est bon. Écoute, c'est pas parce que j'ai pas essayé de le convertir à m'empêcher. Du coup, tu veux pas le faire si quelqu'un te regarde? Oui, il pourrait, mais c'est pas très bon. Surtout avec un scorge. Ouais. Surtout la scorche! Mais ça, ça change rien. Ouais, oui, ça change de quoi? L'ABA en tant que là, c'est une discipline. Ah, mais tu sautes ça que le gars, là, ou c'est pas assez? Non, c'est pas ça, c'est pas le 5, hein? Non, ça serait 3. Il prend un blood pour enlever un... Non, mais tu m'as pas dit que ça ouvre l'œil. Ça ouvre un œil, mais ça sort pas. Ouais, mais quand même, c'est con de savoir qu'il est quoi, pis... Ouais. Ben, c'est Camille qui est instable. Moi, j'ai une casquette sur la tête. Ouais, pour faire ça, si je garde. Parce que je suis pas en. Non. Mais oui, tu peux. Tu peux rester caché. Mais je peux garder mon casque sur la tête puis le faire. Ouais. Okay. Ton œil, il faut qu'il voit celui que tu vas faire. Que tu vas lui faire. Ah, c'est vrai, c'est ton œil. Ah. Mais tu sais, c'est que tu te places comme ça, mais tu sais, si t'es comme ça, ton œil est là. Ta palette est là. Okay. Là, il va ouvrir, puis tu vas healer, mais ça fera rien. Ben, il est mieux de checker comme ça. Je vais placer mes mains sur ses blessures. Je vais pencher ma tête pour que... s'il y a personne qui me voit le front. Puis ouais, je vais faire OBA3 sur elle. Okay. Fait que c'est un blood pour enlever un lethal ou un bench. Ouais, dans le fond, tu peux prendre un blood partout. Fait que t'enlèves un blood, toi tu gagnes un point de vie, fait que là tu ressors de ta torpille. Même si. Ah, je roule pas rien? Non, c'est que tu utilises des bloods. C'est ça. Ok. Fait que tu donnes un blood, toi tu te réveilles dans le fond. Avec un point de vie. Là tu dois être. Mais moi, le dernier coup, j'ai un de plus. Ça veut dire que ça va prendre deux bloods. Ok. Ben en fait, non, t'es incapacité. Okay. Fait que dans le fond, tu retombes à cripple. Fait que là tu. À cripple? Ouais, dans le fond, ouais, t'es en torpeur, là, t'es incapacité. Ça me prendrait combien de blood pour qu'elle soit complètement correcte? Ça t'en prendrait. Allais-tu de la grave? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben 7, elle serait pas payée, là. Mais si tu veux qu'elle. Mettons, là, si tu en donnes 1, 2, 3, elle va être pas payée. Tu vas reboucher 3 trous. En fait, ouais, il va y en donner 3. Ok. 3 blocs. Fait qu'elle va pouvoir se réveiller. Ça, c'est ce qu'elle fait après que je l'ai guéri. Puis là, il resserre ses griffes. Un char. Il resserre ses griffes, puis il dit: t'as le même pouvoir qu'elle est lue. Ben oui. Ah. Puis il a l'air comme plus calme, là. C'est pour ça qu'il se tient nous autres d'ailleurs. Là. Ok. Pas mal de. Ah, c'est bon, ça va. T'as-tu des. Tu l'aimes pas ou. Non, juste que je l'ai déjà vu faire ça. Ok. Je pensais qu'il était élu. Maintenant, vous êtes deux. Ben. J'en ai plus genre 6-7. Oh well! Là, il ne sait pas encore. Là. Ça dépend des autres, ils ont mis des points. Fait que. Ils ont 4-12 ans, pas plus que ça. C'est ça. Il y a beaucoup de cotes, mais on va toute la cote.
Fait que c'est ils ont bon. Toutes déjà eu des permis, là. Ah. Fait que tu, là, lui s'est calmé, il attend qu'elle se réveille, le temps que ça. Ça vient de pas payer, vous autres, vous faites quoi pendant ce temps-là? Toi, tu reviens après ça. Moi, je rappelle Arcas. OK. Je demande si Célestine. C'est-tu Célestine? Michel? Si Michel est toujours au centre-ville de Montréal. Ouais, son cellulaire est toujours là-bas. Tu veux toujours au coin de quelle rue pour quelle rue? Ah, c'est vrai que Grégory est là aussi. Hein? Grégory est là aussi. Michel, vous autres? Ouais. Ah, OK. Il dit. Non, il est dans le coin du métro. Il était à Bella, il attendait oui, qu'on voit le bateau blanc chez Jean passé. Il est dans le. Il est dans le coin du métro McGill toujours, son cellulaire. Fait que. Non. Les voitures blanches qui touchent pas à terre, ça veut dire que c'est probablement juste parce que c'était des envoyés du sacré. Ah, mais ça, j'ai moi, j'en ai aucune. T'as pas de pull, hein? Ben oui, j'en ai, mais j'en ai un. T'as eu un jet de merde aussi, si peut-être. Mais sinon, c'est aussi parce qu'il m'avait dit qu'il y en avait genre 7. Il y en avait comme plusieurs voitures. Fait que j'ai comme assumé. Puis là, Grégory, il reçoit un téléphone. Puis il décroche. Ben, Grégory, il est pas avec nous. Ah, ben non, c'est vrai. Il attend encore Abella et lui, là. Fait que moi, je l'appelle. Okay. Ben, il y a un appel. OK, il y a un appel. Fait que tu l'appelles. Tu l'appelles. Je dis, ouais, finalement, c'était pas tout à fait ça. Fait que c'est bon. Il y aura pas de convoi à soir. Ils sont déjà rendus à 5-5. Ouais, ben, il y en a un convoi à Québec, j'ai l'impression. Comment ça? Parce qu'il y a un gars qui vient de m'appeler avec le cellulaire de Célestine. Puis il m'a dit que je ne la reverrai plus jamais. OK. Puis, il a dit qu'il s'en venait pour faire la même chose à tout de suite notre race. OK. Puis de Célestine. Puis Michel, ça a l'air que son téléphone il est dans le coin du métro McGill à Montréal, mais il répond pas. Puis ça fait comme un petit bout qui est là puis qui bouge pas. Fait que. Ok, où est Michel? Au coin du métro McGill, je sais que Montréal c'est sabbat, hein. Ouais. J'espère qu'il ne s'est pas fait mettre la main dessus par les sabbats. Ça ou. C'est normal. Ou c'est juste son téléphone qui est là. Qui l'a droppé, on va. Puis Michel, on sait pas où c'est parce que dans le fond, la. Il aurait pu avoir été kidnappé par ceux qu'on a interceptés, mais on n'a pas été capable d'intercepter leur retour, fait qu'on ne sait pas s'il était avec eux autres. Ben, si. Ben, c'est qui que vous avez intercepté? Un prêtre qui s'appelle Jean, qui venait de Saint-Hyacinthe, puis apparemment. Ben là, Andréane est réveillée. Non, elle est réveillée. Elle se souvient qu'il y avait deux autres gars dans. Oui. Bon. Fait qu'il y a deux autres gars. Qui nous ont échappé dans le fond, puis qui sont rendus probablement si, dans 5-5. Si elle te dit, genre, t'es déçu un peu, lui va dire, genre, ouais, des hunters, ça a pas. Tu sais, il l'aurait pas mis dans sa valise de chambre. Okay. Il l'aurait pas gardé en souvenir, ça. Ceux qui t'ont parlé à Québec, ils. Ah, c'était carrément. C'était juste des menaces, dans le fond. Puis t'as-tu une idée, c'était qui? Pas en tout. C'était un gars, puis c'est tout ce que je. Tout ce que je sais. Puis il t'a dit dans le fond qu'il s'en venait nous faire de la merde. Oui. Il s'en venait nous jouer un jeu de mots. Il dit qu'il y a. Dans le fond, si j'ai bien compris, ça va être un autre gang de ça qui ont tué Célestine puis qui s'en viennent faire la même chose à nous autres. OK. Ben, si tu veux, reviens-t'en à Saint-Hyacinthe puis on va essayer de faire un plan. Ouais. On va faire un plan. Un jeu. On va jouer un jeu parce que là, la guerre est déclarée. Fait qu'il s'en reviendrait. OK. Fait que là, vous êtes toutes à la scène. Là. Ouais. Il faudrait ramasser les cadavres. Puis tout. Ouais, mais là, c'est ça. Avant, on va avoir la police. Il y a des coups de feu et tout. Fait qu'il faut décaler aussi. Il y a plein de waivers. Ça, c'est un cadavre. Je vais aller ramasser mon C4. Bon, je vous rejoins au manoir. OK. Fais un bras sur les 10, j'ai de chance. Le plus haut, c'est le mieux. Hein?
7. OK. Les chars, il y a des chars de police qui passent, qui te voient pas. Fait que tu peux faire ta récolte de ces quatre printanières. Ah, des récoltes, tout à fait. Fait que tu ramasses tout ça, après ça, vous venez... au manoir. OK. Vous en allez tous au manoir. Moi, je vais passer à côté de la... On va passer dans le coin de la cathédrale. OK. Il n'y a pas rien de spécial à la cathédrale. Puis l'autre place, l'autre église... Le truc Saint-Joseph? Rien non plus. Aucun mouvement, rien. OK. Toutes les églises sont bien tranquilles. En tout cas, celle-là. Si tu passes devant une autre, il n'y a rien. Ouais. Il va faire l'autre pour faire la choix. Fils, puisque Jean, c'était lui le livre. Il est allé à mort aller chercher, puis il va le tuer en descendant. Pauvre petit gars. Fait que oui, vous êtes. Après ta petite escapade d'église, ben vous arrivez au manoir. Jusqu'à l'heure. Moi, dans le fond, juste savoir, on devrait peut-être faire mon bout. Si ça se passe en même temps, peut-être que le policier va recevoir le corps, peu importe. Ça fait le bon, non, non. Dans le fond, moi, c'est que le policier m'avait accroché. Quand tu vas, parce qu'on faisait le tour des gardiens. Ah non, c'est juste le gardien de sécurité du cégep. Ah, c'est pas un policier. Là. C'est juste un gardien de sécurité. Fait que là, lui, il s'approche de la limousine avec la flashlight. Puis, ton chauffeur, il fait comme. Continue. Ouais, arrête pas, c'est tout. Il arrête. Puis il vient mettre sa flashlight dans la face du chauffeur, qui était comme en arrière. Bonjour, monsieur. En fait, il parle à ton chauffeur. Ah, ok. Il dit ouais, tu fais quoi sur le terrain du cégep? Ben, je vais m'interposer. Ok, ben, ouais. Je vais dire, ben, dans le fond, il fait ce que je lui demande. Dans le fond, c'est mon chauffeur. Vous savez, et vous êtes qui? Ben, moi, je suis Arthur, dans le fond. Je suis propriétaire du bar. Le Reading Ninja. Reading Ninja. Ouais. Ah, vous êtes le propriétaire de. Je fais visiter les lieux, là, dans le fond, à mes collègues. Ok, ben. C'est bon, rien à voir, mais je vais faire le tour, je vous connais. Parfait. Non, c'est juste un agent de sécurité. Fait que là, toi, qu'est-ce que tu lui dis? Là, lui, il vient de te faire. Tu te réveilles, t'as plus de trou, pis t'as lui qui est en train de te juger dessus. Pis. À ce moment-là, ce que t'entends, c'est ça. Camille, il prend ses griffes, puis il dit, dans le fond, t'as le même pouvoir que l'élu, toi. Fait que là, il est dedans, puis là, il dit genre, ouais, on a... Il dit, Chris, j'ai pas élu pendant tout, il dit, sont deux. Fait que c'est ça. Je te dis merci. Est-ce que je te connais? Pantoute, tu l'as jamais vu. Tu l'as vu au manoir. Il est allé se présenter. Il s'est présenté au prince. Il était avec moi, on était en train de parler, puis il est passé, puis moi je suis dépêché pour aller voir lui, puis finalement il n'était pas intéressé. Fait que finalement, ouais, tu l'as vu, de vue, toi aussi, tu sais. De loin. Tu sais, d'abord, à la limite, si t'ont présenté un peu le staff, tu sais que c'est Michel, là, c'est comme le bon endroit. Yéna, Michel. Yéna. Ok, est-ce que. C'est un. Vous avez un nom, madame? Je m'appelle Elinor. Non. Deux? Ouais, dans le fond, tu t'es devant ma moins deux, dans le fond, dans tes coches. Ben, enchanté, Elinor. Puis là, les autres autour de moi, Camille. Puis là, ben, après ça, il voulait savoir un peu les questions, les informations que t'allais donner sur ce qui vient de se passer. À qui me dit ça? Ben, un peu. En fait, Camille les a vus. Tu me regardes trop. Fait que Camille les a vus. Ok, dans le fond, il a expliqué dans le fond. Ils ont su que ce sujet était un prêtre de Saint-Hyacinthe. Les deux autres, ils ne savent pas. Toi, en touchant le corps? Non, c'est. Moi, j'ai fouillé le corps, le corps. Camille. Camille, il dit. Le corps, son cadavre. Sa carte. Tu as vu quand Camille a expliqué ce qu'il y a dedans? Camille est arrivé, dans le fond, puis le char l'a comme arrêté. Il a pogné le chauffeur, il l'a ouvert en deux d'un coup. Là, en fait, ben, il a sorti du char, il l'a tabassé, il l'a rouvert, puis quand il s'est viré, ben, il y en a un qui était assis en avant, puis le char est reparti. Fait que là, il t'a ramassé, genre, avant que tu le champagne, genre. Quand il t'a vu, il a comme arraché à la porte, puis. Ben, en fait, il l'a tranché. Il a tout tranché, c'est clair. Le char, il est dégueulasse.
Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, il explique ça. Puis là, il dit, j'ai vu deux gars à l'île du cul, blablabla. OK, parfait. Fait que c'est du BDSM. Là, moi, j'ai parlé à Grégory pour lui dire que... Genre, qu'il pouvait se ramener, qu'il surveillait l'autoroute pour rien. Puis il me dit que, dans le fond, il vient de recevoir un coup de téléphone d'une gang à Québec, d'un convoi à Québec. Ils disent qu'ils ont kidnappé Célestine, puis qu'ils vont la tuer, puis que... Non, elle est morte. Elle est morte? Ils ont ça? Il l'a éliminé, puis il dit on s'en vient vous éliminer. Ouais, c'est ça, on s'en vient vous réserver le même sort. C'est ça. Fait que là, on est pris en hostie sandwich entre Québec et Montréal. Fantastique. C'est encore des religieux? Là, vous le savez pas. Ok. C'est un gars qui avait une voix. Mais Québec, ça doit, parce que Québec, c'est calme habituellement. C'est oui. Fait que. On va trouver pourquoi les sabbats de Québec viendraient nous faire de la merde. Mais. Surtout que Célestine a checké l'aéroport, en tout cas. Bref, fait que là, on s'en va au manoir. T'es fou. T'es curse. Non, c'est parce qu'on le sait qu'ils font. C'est sûr qu'ils sont curse. J'ai dans le coup. Fait que, oui. Puis là, après ça, le convoi s'en allait au manoir. Là, vous arriviez au manoir. Puis là, toi, après ton escapade au cégep, tu faisais quoi? Je vais m'en retourner à mon bon. Puis je vais expliquer un peu les règles de conduite. Mais dans le fond, mes deux vulgaires sont là, puis je vais expliquer un peu que c'est important, on touche jamais aux hommes de loi. C'est bon. Le gardien s'en fait un peu partie, donc on évite tout conflit possible. On se nourrit jamais de. Ça, tu dis ça à Loïc, genre. Ouais. C'est qui dit ça, ok. Il va avoir un. Comment ça s'appelle? C'est pre-exclusion. Sans le savoir, c'est quoi, tu sais. Ben, moi, ça fait partie de mon code de conduite. Ouais. Moi, là. Oui. T'as un code de conduite. Justement, blessé que là, je ne fais pas grand chose. Si j'ai une blessure, je prends encore pour ton interpère. Ben en fait, trois blessures, tu retournes à ta repas. Puis tu peux pas prendre de blood pour te healer, puis demain matin tu vas te réveiller, puis tu seras pas healé. Avez-vous du sang à boire? Non, je peux pas en boire, j'ai soif. Non, pour moi, ben, je pourrais être guéri plus que ça, mais j'ai besoin de blood pour. Tu veux demander à moi, hein? Goûte, toi, c'est dégueulasse. C'est une valeur que j'étais pas là, moi je t'en aurais devant. Merci, je serviette de même. Hein. Non, il n'y a pas de boisson. Je fournis la pâte. Non, j'en ai pas. C'est gros format gratuit. En toi, même, je suis neutre. Fait que je vais dire à Mickaël, je pense. Ben, on que... va aller au manoir, au pire, on va coller nos boules. Là. Hein? Ils ont aller au manoir, puis on appellera nos boules, au pire. Ouais. Mais on est déjà au manoir? Ouais, là, vous êtes au manoir. Bon, j'ai à Mickaël que moi, je vais m'en aller me coucher. Appelle Andréane. En torpeur. Non, moi, je peux pas boire. Non, appelle Andréane. Pourquoi? Pour lui? C'est ta goule. Non, mais il peut trouver n'importe qui. J'appelle Andréane. Moi, dans le fond, au manoir, tu peux prendre trois blocs. Tu peux donner trois vis. Pour vrai? Ouais. C'est une goule. Fait qu'elle a la rire, qu'est-ce qui se passe? Croquez-moi la vie. Je suis pas de même. Mais si tu te le dis, oui, tu le dis. Parce que comme t'es à moi, je te dis des affaires. Je te le dis. Fait que je pourrais la guérir complètement. Dans le fond, tu peux lui redonner trois autres points de vie sans problème. Ah, moi? Oui. Dans le fond, là, ce qui arrive, c'est que lui, il se prend trois blobs pour te guérir. Et après ça, il se nourrit de trois blobs sur Andréane. Ça va faire de l'anémie? Ah, ben ça, c'est non, mais 3 blocs. 3 blocs par jour maximum. Ok. Quand même beaucoup. Ouais, après ça, c'est que ça va se coucher. Mais là, faut que je m'en donne 3. Fait que là, tu te heal de 3. Ok, je vais prendre une étape. Puis tout de suite. Ben moi, j'en cours. Ouais, toi, dans le fond, ce que tu prends, tu le. Ben, regarde. C'est ça. J'en cours. J'irai faire un tour à l'hôpital si quelqu'un n'a plus besoin de moi. Déjà nourri à soir, avec il peut plus être nourri. Ouais, nourri. À soir, il ne peut plus, là. Ah non? C'est vrai, déjà, c'est pas la même nuit. C'est vrai. C'est une nuit mouvementée. Ah ben. C'est de l'action, c'est tout. On meurt, tu ouvert? J'ai soif un tabarnak, mais faut-tu nourrir sur du monde qui veut? Toi, hein? Fait qu'une bière, ouais, mais une bière de sang, c'est... Ça se nourrit pas. Ah non? Ça m'avait nourri quand j'avais été voir le président. Ah, c'est pas supposé, j'ai peut-être oublié. Ah ouais? C'est ta jeunesse de clan. Ah, pour lui, c'est dégueulasse, ça. Ben, on peut en parler. Lui, c'est l'inverse, faut qu'il se batte. Moi, je connais des gens, ouais. Moi, il faut que j'aille le chercher de force. Si on me donne le sang comme de rien, il va boire une bière de même, comme de programme. Mais pas donner vous, là.
Ça fait une heure. Je vais appeler Frank le Gangrel. Parce que Frank il vous passe le bonjour et il dit que là, Frank le Gangrel, il veut se dégoser et il veut se battre. Ah! Ok. Il dit qu'il est bien prêt à aller aider un saloperie. Je le connais pas, mais on va s'arranger. Hein? Mais il vous passe tout le bonjour. Bonjour, Frank. Je me demandais, tu parles de Frank Nage ou Frank Nage? C'est le même, voyons, c'est Jacinthe. C'est Jacinthe by night. Frank, c'est vraiment un gangrel qui travaille au eBay. C'est ça. De jour, pas pire. Ok. Là, j'ai racheté qu'il ne faut pas se nourrir de l'autorité. Puis je vais dire aussi que je vais parler de mon addiction sur le sang joyeux. Ok. Que tu sais, tu vas voir, c'est vraiment, là, ça rassasie bien plus quand le monde sont. Bon, ben, si j'ai la chance. Les verres, on en porte à droite. Ah, sur du vin, tu vois, les coupes sont là. Fait que, ok, là, on essaiera de goûter à ça. On ira goûter à quelqu'un de joyeux maintenant. Ah, mais c'est facile, je vais te montrer ça, tu vas voir, c'est vraiment plus rassasiant. Go. Qu'est-ce que tu dis, là, le malcaire? Tu t'en vas voir ton petit direct, ouais, on va y aller ce soir-là. Puis tu vois, comme. Ah, tu comprends pas, hein? C'est vraiment plus hot, mais en plus c'est pas chelou. Ça m'y rend. Mais il fait comme. Non. Comme il fait comme. Fuck, ça coûte pas plus. C'est pas chelou. T'as pas mis de voile. Non, là, comme tâche. Ça fait plus rien. Ok. Moi, je vais y enseigner s'il veut. Je sais pas s'il fait de l'expérience. Non, mais je lui donne de même, je lui donne de toi. Je vous montrerai Pachina. Là, tu montres. S'il veut. Mais lui, il sait pas, fait qu'il est intéressé, tu sais. Okay. Bon, il sait pas qu'il va développer une maladie mentale en faisant ça, mais c'est bon. Fait que un instant avec Pachina, ça va être drôle aussi. C'est combien de temps avec un vampire soit franchi? Ça dépend de son sang. Ça peut prendre une heure, c'est sûr. C'est quoi, je le dis, puis c'est tout? Tu peux. Tu sais, un mass embrace, là. C'est juste que. En fait, il est affranchi. Dans le sens, parce que mass embrace. Okay, mais t'es son mentor. Son mentor. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, il est responsable à part en faire de lui-même. C'est juste que tu l'as. Ouais. Ben, de la manière que tu l'as présenté au prince, c'est de même. Ouais. Il est pas ton child. Non, c'est ça. Tu dis que je l'ai ramassé. Mais c'est vraiment ça. C'est ça. Là, présentement, il est comme livré à lui-même. Il sait rien sur ce que tu as montré. Puis il cherche à me plaire au bout. Là, il est en passionnant. Qui est ça? Il est en passionnant puis il est Bloodborne à trois, fait que t'sais. Un humain? Non. C'est qui? Son détriment. Pas autrement. C'est Loïc. Parce que l'autre, Ovid, il est dead. Il est dans son bâton. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé, déjà? Je sais pas, moi. Je pense qu'il est mort en essayant de lever une clôture. Une clôture? Ça goûte le jeu. Merci. Merci. Un vin rose, de qualité rose supérieure. C'est plus une boisson au vin. Ouais, c'est ça, c'est une boisson au vin. Il n'y a pas vraiment d'alcool. Mais ça... Non? Sûrement genre 5 ou 4. 5% d'alcool. Fait que. C'est comme okay. La sangria. Ouais, c'est ça. Fait que tu. Vous parlez de ça, vous allez vous nourrir sur un petit itinéraire. Qui parle un peu de Dementation. Toi, tu t'en occupes de ton monde. Moi, mon Sébastien, je l'ai quand même oublié dans. Il fait ses explorations. Okay. Il fait ses explorations. C'est comme si Dora l'exploration. C'est ça. Ah, j'ai réussi à scier un poteau avec un coup de griffe. Fait que, ok. C'est cool. Puis après moi, j'offre une chambre maintenant à lui aussi, dans mon sol. Ok. Tu trouves Sébastien, c'est fait un log de bois. Là, il y a du bois pour l'hiver. Hey, c'est pratique le Game Girl finalement. Il y a un Heaven à deux, on va dire. Puis je suis vraiment fier de toi en passant pour tes recherches sur nos ancêtres. Tout, je suis sur la même voie que toi. Ah, ben ça fait plaisir. Je trouve ça vraiment le fun qu'on va dans le même sens. Je pourrais peut-être essayer d'aller au cégep. Il reste plein, hein. Il y avait de la colle. Ah, il y avait l'âge. Il fallait au CG. Parfait. Dis, ah, ben, je pourrais peut-être aller au CG demain, parce qu'il était tout ce temps-là. Tu sais.
Je dirais que je peux peut-être rentrer là, puis voir si je peux passer. Non, comme dans Twilight, les vampires vont à l'école. Comme ça, en passant, j'ai de l'argent. Ah, ok. Ouais, ben tout avait de l'air, oui. J'ai 25, mon âge va bien humain quand j'ai tout présenté. Oui, plus. Y a-t-il quelqu'un qui fait de quoi de plus cette nuit-là? Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on ait un plan. Mais là, c'est quoi qui s'est passé dans le fond? Ceux qu'on a attaqués, là, c'était ceux qu'on attendait? Ouais. Probablement. Il y en a-tu d'autres? Ben, probablement. Ben, là, il y a ça qui vient. Probablement. Ceux de Québec qui s'en viennent. Puis là, ben, on vient les attaquer. Fait que ça se peut. On les a pas tous eu, mais ça se peut, ça empire, là. Ouais, mais si je l'avais pas attaqué. Non. Ça serait pire. C'est correct, le mieux, c'est arrêter de toutes les pognées, mais bon, j'avais deux doigts dans le nez. Fait que... c'est ça. Fait que c'est ça. Ah, c'est pas pire, c'est juste qu'il y avait juste deux points. Ouais. Fait que tu nous l'as dit que t'as rien vu, même pas, vous avez dit. Toutes les idées sont là. Dans la conversation avec lui, en même temps. Ouais. C'est comme mon cégep, puis je vais demander de se passer comme... De tout, c'est comme des coquettes. Quelqu'un qui sort de l'ordinaire, un peu comme nous autres, qui veut s'informer, qui est capable de pouvoir... OK. Devenir indestructible. Mm-hmm. C'est juste le côté curieux qui m'intéresse. Okay. Et passionné. Faudra attraper leur chef. Passionné. Puis... je vais chercher dans au moins la photo des right. deux hunters de Saint-Hyacinthe. C'est qu'on peut savoir. Ouais. Faudrait trouver où est-ce que les autres restent. Mais c'est pas les mêmes hunters que toi t'avais vu, genre les marcheurs avec autrefois. Non. Tu les as pas vus, mais la description, c'est vraiment pas non. Ça, ben, de toute façon, j'ai les photos, là, je vais vous montrer. Ouais, c'est sûr, je sais pas. Là, faut trouver où est-ce que les autres restent. Ok. Parce que c'est probablement l'heure où est-ce que les autres restent que ça va être. L'auto était assez points, mal en point. Ouais. Ouais, c'est ça, on peut peut-être l'envoyer dans un pro shop, genre de carrosserie ou un truc comme ça. Ils vont juste la détruire. Ouais, c'est ouais, sûr qu'ils vont détruire. Mais il n'y a pas quelqu'un qui pouvait partir en oiseau pour aller voir l'auto. Mais moi, je dis qu'on a juste à aller voir. Ben, t'as l'adresse. Sur le tapis qu'on veut, t'as l'adresse du curieux. On peut juste aller voir, on pourrait aller voir où est-ce que le presbytère, où est-ce qu'il lui restait. Ok, on y va de toute façon. Ok. On s'en va au presbytère, dans l'adresse de où est-ce qu'on a le permis de conduire. Ouais. On va aller où est-ce que le gars y restait. T'arrives là, les lumières sont fermées. Bien sûr, il n'est plus là. Mais t'arrives là, puis il n'y a personne. Y a-t-il des voitures dans l'entrée? Non. Ça va être. Ça va être celui de la Providence, toi. T'arrives là, puis. Dans le précieux sale, là, ouais. C'est celui-là. Puis, ça, c'est bon, ouais. Il est tout le temps à côté de l'église. Fait que. Il n'y a pas de char, il n'y a pas de garage non plus, en temps. Non. Excuse-moi, vous avez cogné la porte. Le curé, tu coupes pas à deux? juste pour info. Ben, on rentre puis on trouve de quoi. Si je m'approche de la porte, je me sens-tu bien? Ben, tu te sens confortable, mais pas de là à être écrasé par le haut lit. Là, okay. T'as pas de moyen, t'as rien. Deck security. Deck security. Deck security. Tu vas essayer de chercher un ordinateur pour voir des informations sur la... Non, mais là, je vais juste débarrer les portes. Oui, oui. Okay. 9, 7, 9, 5. Tu débarres la porte avec quelque chose. Non, pas mes griffes, en tout cas. C'est ça, tu peux pas y sortir. Fait que tu ouvres la porte, tu rentres dedans, puis vous arrivez là. Y'a rien. Peu importe, là, y'a pas grand-chose, y'a un... T'arrives dans une chambre, un petit bureau et un ordinateur dans cette chambre. Oui, dans l'ordinateur. Tu l'allumes. C'est un ordinateur portable. Ah, il est barré. C'est un computer. Bon, moi, je vais faire un Aspex 3 moi, pour avoir le mot de passe. Ah. Ouais, c'est sûr parce que j'ai pas de computer. Aspex 3. C'est ça, moi, j'ai computer, mais ça a déjà mal viré. Tu as pété ton ordi. Tu vois ça, puis tu le vois que son mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5. Oh non! N'importe quel imbécile prend ça pour ses valises. Son mot de passe c'est password. Non, ça aurait dû être genre Jésus, je t'aime.
Je voulais pas faire cette joke-là. Ça va aller mieux avec ça. Puis je rate le mot de passe. Merci. Tu rates le mot de passe. Ça débarque. Non, mais tu mets ton doigt là. Non, mais il y avait quelqu'un à job, son mot de passe, là. C'était genre QW, jusqu'à P. Fais ça. C'est ça, mot de passe. Débarrer ton ordi, ça. Débarrer. C'est rare. Bon. Fait que tu débarres l'ordinateur en faisant 5. Puis tu regardes les derniers fichiers qu'il a checkés. Tu vois qu'il y a un petit agenda. Puis c'était écrit aller chercher Raphaël et Valentin à Montréal. Puis. Il fallait qu'ils les amènent. Il a juste écrit ça. Y avait-tu d'autres meetings? Y avait-tu d'autres choses à son agenda? Non. Dans les prochains jours? Non plus. Qu'est-ce qu'il y a eu dans les jours précédents? Dans les jours précédents, il n'y a pas eu rien de vraiment par rapport à ça. Il y a eu un meeting, il est écrit qu'il y a eu un meeting, genre tous les prêtres ensemble, de la ville. Y a-tu un lieu? Qui a eu lieu à l'église en face du. C'est l'école René Saint-Pierre. C'est-tu là que j'avais été? Non. En face de l'école René Saint-Pierre. Et puis l'église? Sur Saint-Joseph? C'est la rue, ça, là. Ok, ok. Tu sais, y a plus d'église, ben, il y en avait un. Sur la framboise. C'est ça. Fait qu'il y a eu un meeting là, une semaine peut-être, moins. Là. Dimanche passé, parce que c'est toujours les dimanches. Hein, toi, si tu touches au téléphone, j'imagine qu'il y a un téléphone dans la chambre, tu vois-tu les derniers. Moi, j'ai un bon appel sur le caller ID. Ouais, mais tu touches que c'est la conversation qui est où, quoi? Non. Est-ce que tu es capable de savoir le mot de passe de sa boîte vocale, mettons? J'ai deux succès. Sur le téléphone? Ouais. Je dis pas le bon parleur. Toi, t'es là aussi? Je suppose que oui. Ouais, j'ai-tu besoin de rouler? Moi, je vais rentrer dans l'église. Dans le fond, ouais, ça dit. Tu réussis à comme piquer la dernière conversation. Puis, ça a peut-être pas rapport. Ce que ça dit, c'est genre, t'entends, je m'en viens vous chercher. Puis moi, quand je rentre. Puis l'autre, c'est, on va te dire où est-ce qu'on s'en va. C'est lui, ensuite, l'autre que t'as entendu. C'est comme les deux pistes d'information. Fait qu'il savait pas où ce qu'ils amenaient à ce moment-là. OK. Fait que c'est ça que je vous dis. Puis, y a-t-il une boîte vocale? Il y a sûrement, il y a toujours une boîte vocale. Puis, il y a pas de message dessus. OK. Dans son ordi, y a-t-il des emails? Bon, il y a une couple de courriels, là, mais tu sais, c'est par rapport à des pastorales. Enfin, Google, ça, OK. Fait que là, je fouille dans la maison. Y a-t-il d'autres choses que je peux voir? Là, si j'ai la photo. Il y a rien de spectaculaire, je te dirais, dans la maison. Là. Si j'ai la photo du gars, pis son nom, je peux-tu justement. Oui. Si tu le connais pas, c'est ça. Parce que j'ai jamais vu en vrai le gars, là. J'ai juste son nom. Lequel? Sa photo. Ah, les Hunters. Les Hunters, hein. Ben, je pense que je t'ai donné les noms. Lui, c'est Ivan, puis lui, c'est Zachary. Ouais, non, mais là, Raphaël et Valentin, c'est eux autres qu'on a fait. Juste les noms. On a juste les noms. Fait que on n'a pas les photos? Non. OK, on a juste les descriptions. Ouais. Mais les autres, on a les photos. Ouais. C'était quoi? C'était Ivan et truc? Ouais. Ivan est capable d'affronter les vampires, puis Zachary est capable de trouver les vampires. T'es summon, tu sais. Merci beaucoup, vampire, de me dire vous êtes où. Non, mon pire, on va dire à Raphaël Valentin que leur espérance de vie est comptée. Hein? En tout cas, je peux essayer? T'avais déjà en difficulté 1000, puis c'est au pire de la manche? Difficulté 2000. OK. C'est quoi, tu fais dans le fond? Lequel tu summons? Ben, je pense à Carrie. C'est quoi, tu sais, dans le fond, t'en summon un pour prendre le dessus? Ouais. On les hostilités de même, là. Ben, il y a pas mal de hostilités. Ben, c'est parce que c'est celui qui a l'air de trouver les Evans, Raphaël. J'ai tellement des démarres là-dessus. C'est combien le taux de. Difficulté de 8. J'ai une réussite. Une réussite. Il va bien. Il va s'en aller. Ça sera pas long. Là, il faut aller à une place où est-ce qu'on va l'attendre. Mais là, il s'en vient où est-ce que t'es. Ouais, mais ça, mais si tu te déplaces, il vient où est-ce que tu veux. Non. Oui. Il semble que non. Ah, moi, je dis qu'on l'attend là. Il semble que si tu te déplaces. Hein. Au pire, au pire, le message va être clair. Si on le tue là.
C'est juste qu'il est rendu quelle heure? Là, il est ouais. comme 5 heures le matin. Parce que lui, il est pas pressé de s'être dormi. Il dort. Ah, tu peux te présenter quelqu'un qui dort? Mm-hmm. Il va se réveiller. Il va se rendre. À pied, pas de pantouf. Non, mais tu sais, ça se peut, fait que... Ouais, mais à 4-5 succès, il s'en vient à un pas de pantouf. Il court là, il va s'habiller, il va prendre son char. Là. Okay. C'est le goût de s'en venir, mais c'est pas beaucoup. Oh, pire, gars. S'il arrive pas, je veux dire, s'il arrive pas avant que le soleil se lève, le gars, il va juste genre comme revenir mais à au soleil, quand le soleil se lève, hein, le summon d'ici arrive. C'est ça, il va juste être n'importe où, puis il comprendra pas qu'est-ce qu'il fait là. Ouais. Il va juste avoir un peu peur, c'est parfait. Ça, donc, il va falloir plus grand temps. Hein. Ça, ouais, je te dirais que. T'attends, mettons, là, jusqu'à ce que le soleil se lève dans 15 minutes, et il se sera pas pointé. Ok. En 15 minutes, man, ben on peut pas, on couche pas dans la place du prêtre. Hein. Non, certainement. Non, non, on va en carrière. Ah, là, c'est d'ailleurs, c'est 15 minutes, ça fait une demi-heure, là, besoin d'une demi-heure. On s'en va au manoir. Le manoir, c'est déjà 15 minutes. Ouais. On va aller tous dormir au manoir. C'est bon. Fait que vous arrivez au manoir, vous couchez, la nuit est finie. Nous, on va rentrer dans le temps, c'est bizarre. Ouais, mais ben comme je dis, j'avancerai un peu dans le temps. Ben. Là, pendant que les prêtres arrivent, fait que là, t'arrives deux fois complètement. C'est plate, là. J'avancerai pas le temps parce que on a la on a Luce à aller voir. Ah ouais, on peut faire un souci. Puis, c'est comme tant que Zachary est vivant, moi, j'ai pas le goût de laisser passer. Ah, ok. C'est bon, on laisse pas le temps. Zachary, okay. C'est qui? J'ai pas c'est celui qui est capable de trouver les Evan. Okay. Fait qu'en tant que tel, d'éliminer lui va ralentir les autres. Fait que je dirais que. Ouais, c'est ça. Faut qu'on élimine Zachary là. Fait que je te dis, moi, essaye de le rappeler. Puis on éteint un embuscade au Salim. On éteint une place. Une place où on peut enterrer son cadavre. Puis j'ai le temps de faire ça. C'est ça, finalement. Ok. C'est charmant, les Saliennes. Parce qu'on a pas le goût de le summoner en carrière. Parce qu'on veut pas que. Ici, il est avec du monde. Puis que le monde font comme un petit fait. C'est ça. Puis il veut pas c'est que temps. Beaucoup de succès, c'est pas bon. Parce qu'il part vraiment vite, fait que c'est louche. Un, deux succès, c'est parfait. Deux succès en montant, ouais. Il est un peu pressé de s'en aller, mais tu sais, c'est moins louche. Ok. Bon. Ben, si tu réussis, que... Fait que honnêtement, on va faire le bout de Luce. Ok. Les summons que tu vas faire, ça marche pas jamais. Tu vas le summoner genre tous les jours, quand t'as eu un, deux, cinq succès, ça marche pas. Ok. Il y a une raison pour ça, il n'y a plus de problème. Hier, il n'y avait pas de raison, mais là, il y a une raison. Mais hier, il n'y en avait pas, effectivement. Okay. Mais là, à cause qu'il y en a eu une qui a failé, là, il y en a une. Tu comprends? Fait que vous allez voir Luce. Ouais. C'est qui, Luce? Ça, c'est l'ami d'Anouk. C'est ça, hein? Ouais. Fait que... Je pense que c'était beaucoup, je pense. Parce ouais, que c'est... ça te concernait pas. C'est ça, genre. C'est possible. C'est Luce. On va aller voir c'est quoi qu'elle veut. Moi je veux savoir c'est qui. Tu peux en prendre. Luce, d'Alpha, elle dit ouais, est-ce qu'on se rejoint. Fait qu'elle dit bon, on peut s'en rejoindre. Oh, viens me rejoindre au parc, telle plage. Ouais. Ouais. C'est pour qu'on ait une bonne vision. Ok. Fait que. Il y a un parc sur la rue Baudage, tu sais, tu as la biscuit au Baudage, tu inverses le tunnel, tu vas suivre, puis il y a un parc à gauche. Mm-hmm. Ils disent, on va aller là. Là. Fait que. Luce arrive. Aspects, institution. Ça, c'est Luce. Ah. Ok. Négatif. Intéressant. Fait qu'elle arrive. C'est elle qui est un peu folle, hein? Ouais. Fait que Luce arrive. Elle de la gang bien folle. Puis, bon, toi tu le saurais, là, mais tu sais, elle est en passionnant. Puis il est comme, salut, elle a très bien raide de voir son ami Anouk. Puis là, il saute des bras, puis tout, puis ça. Normal. Puis ça, moi, je check pour l'invisible, il y a-tu de la presqu'île? Tu vois personne d'autre. Okay. Moi, je reste relativement à distance, je reste pour être capable de le retourner. Hein? On est retourné? Ouais. Ok, on est en autre nuit? Ben, on a avancé d'une nuit. Ok, tu peux
pour le c'est ça que je t'ai pour toi, dire. Tu peux te nourrir de, Je te dis qu'on va être, on n'est pas loin de l'hôpital. Je vais tu peux te remettre full blood. Toi, t'avais combien d'être. T'as 1 à 1, fait que tu peux prendre 9 blood. Là, fait. Moi, j'ai-tu encore ça? Oui. Tu peux pas te healer par ton sang parce que t'en as plus de sang. Fait que ça te prend un marc pour te healer. Un Yana. Dans le pire des cas. Que tu ouais, dans le pire des cas. Yana, est-ce que tu veux aider? Des... ça me prendrait combien de. C'est un pour un. C'est où je vois ça, les agrees? Ouais. Normalement, mettons un agree, tu peux peut-être barrer toute la case, puis sinon tu fais juste la cocher. J'en avais-tu? Je suis vite dommage, je dirais que non. T'as pas reçu de dégâts à gré. Non. Ça me prendrait combien de blood pour la healer? Deux. Complètement. Deux? Là, il y en manque deux. Est-ce que, vu que c'est le début d'une nouvelle nuit, en me levant, est-ce que je pourrais la guérir sans qu'elle sache, aller à l'hôpital, puis les rejoindre? Fait que t'aurais même pas besoin de me le demander. Tu te serais réveillé, guéri complètement. Si tu permets d'aller te voir pendant un petit dehors, au manoir. Il se réveille, oui, avant tout le monde. Lui, il se réveille bien de bonne heure, fait quoi? Il peut... Si tu as dit oui, il peut. Ben non, mais j'ai rien dit, il m'a fait une surprise, une guérette. Ah, ok. C'est ça. Si t'as pas dit à personne. Dérangez-moi pas, ou j'ai pas barré ma porte, on est au manoir. Ok. Il est allé, il t'est guéri au complet. Ben tu t'es guéri, je sais pas pourquoi. Je me réveille pas encore. Bon, un peu sérieux. Puis je vous retrouve, comme tu m'as dit, au parc. Non, mais je te dis, je vais être là, tu sais que. Ok. Dis qu'on a quelque chose à régler. Veux-tu que. Non, que je me tienne pas loin? Non, ben. On va régler ça, puis je te tiens pas. Ah, puis toi, t'as Specs 2? J'ai Specs 3. 3? Quand que tu passes sur Lus, là, elle a l'aura d'une personne vivante. Mais avec des scratch controls dedans. Elle a un aura brillant, super beau, là. Des comme si elle avait une goule de Malkav, non? Non, pas encore. Mais moi, je reste un petit peu à distance, comme si j'étais pas avec Anou de la cour. Là. Ok. J'aurais juste besoin de savoir ton parole, toi, que tu sens, tu fais quand tu touches, c'est quoi que ça utilise? Empathie, pis quoi? Perception, empathie. Ok, cool. Pourquoi? Pourquoi? Parce que. Je cherche une mécanique. Est-ce que tu cherches une mécanique? C'est pas grave. Hmm? C'est pas grave. Toi, t'es loin, là. Puis, à un moment donné, ta voix, elle sort un l'acteur, elle l'allume, elle s'allume une cigarette. C'est un humain. Anouk, elle fait quoi? Anouk, elle fait, tu sais, elle a dit quoi? Anouk a fait deux pas de reculons. Elle a sorti un l'acteur, elle l'a allumé, elle s'est allumée une cigarette, elle a serré l'acteur. Tu sais, puis Anouk, elle a comme. Tu voyais ses grands yeux, genre, qui regardait le feu, là, tu sais, une chance qu'elle y a averti. Puis après ça, même, tu sais, c'est un specs. Tu sais, t'entends, elle dit, fais pas le saut, là, je vais allumer une cigarette. T'sais. Puis elle a parti de l'acteur, elle s'est allumée sa cigarette, elle a resserré. En fait, toi, là, t'as l'impression que t'as affaire à un humain, là. Présentement, là. Parce que, mais un humain. Des scratchs dedans. Je vais juste garder un œil sur Anouk, ça me fait un signe. Vite de même, tu vois qu'il parle un peu, puis la discussion tourne un peu autour de. Xavier, c'est un trou de cul, puis t'as bien fait de partir, puis moi je te suis parce que je veux plus jamais avoir affaire avec lui. Puis là, il monte, genre, il a une scratch sur le bord de la joue, là, tu sais. Fait que. Elle dit, il m'a donné un coup avec sa lame. Je trouve un moyen d'accrocher. Il faut que je touche à Luce. Ok, donc j'attends. Si elle me fait pas signe, elle me fait pas rien. Non, elle te fait pas de. Je check autour tout le temps, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui essaie de crier. Il n'y a personne d'autre que elle. Puis là, il. Tu sais, un mané, ils sont assis sur le banc du parc. Ce stress-là, ça dure quasiment une heure. Puis là, à la fin. Parce que moi, c'est clair que je l'amène pas. Elle m'a amené à dire un peu, puis là, elle texte. Ouais. Puis elle dit, ça a l'air vraiment correct, là. Elle veut plus rien savoir de l'autre gang. Tu veux-tu la voir? Non, tu veux-tu qu'elle te voit?
Moi, je vais approcher. OK. Fait que elle s'approche de toi, genre. Puis, t'sais, genre, là, comme un route d'ici jusque-là, là. T'as fait comme... Ah, bonjour. Vous êtes plus nombreux. What? Comment... Moi, ça paraît pas, par exemple. Non. Juste dire, vous êtes plus nombreux. Peu nombreux. Vous voulez dire? Mais je sais pas. Je sais juste que vous êtes peu nombreux, là, quand je regarde. Puis elle fait, enchanté, moi, c'est Luce. M'a tendu la main, voir si elle la sert ou pas. Puis elle met comme sa main plus dans ta face, genre. Ah, moi, bon, ben, je vais. Pour toucher, il faut que je touche. Tu peux faire un baisement, genre. Ah, oh, ça marche pas. Mais tu sais, t'as l'impôt quasiment, là, tu sais. Je suis pas de la merde. Les moyens, là, c'est ça. Je pensais pas utiliser des disciplines avec ma bouche. Faut juste que je touche, moi. C'est un bonus qui met la lame. 4 succès. 8, 9, 9, 7. Il a fait une charrette. Il arrive. Avec la lampe. Oh mon dieu, ça goûte le vampire. Le vampire. C'est quoi les autres affaires que tu sais? Si elle a des dommages. Elle a un dommage. C'est quoi son blood pool? Toi, t'es quoi ta gêné? 11. T'as combien de max blood? 11. Elle a 10 blood. Elle a 10 blood dans le corps. Attends, j'ai pas checké ici. En tout cas. C'est 11e gené, c'est 12 blood. Ah, ben elle a 11 blood. Puis c'est quoi les autres affaires? Si elle a des maladies. Ben un dérangement. Sûrement. Mégalomane. C'est quoi sa maladie, hein? Mais pas possessed ou des choses, c'est ça, je peux non. Dire. Non. Genre bipolaire, comme I up and down. Ah oui, c'est vrai, son. C'est vrai, c'est son dérangement. Son dérangement. Elle oublie qu'elle est un vampire, elle pense qu'elle est un human. Non, mais j'ai oublié de le jouer. Fait que... Pourquoi je cligne des yeux quand je venais me cigarette? Elle a peur du feu. Mais faut que je... Ok, dans le fond, quand elle se présente à toi, genre, elle dit je suis Princesse Luce du Roi des Terres du Milieu. Oh, wow. Oh, wow, ok. Genre, elle est dans. Elle est dans Persia. Ah, ok. Mais elle vit dans le médiéval. Elle faisait trop de GN quand elle était vieille. C'est vraiment ça, ça. Elle finit un sac de dents. C'est comme elle a fini dans un GN. C'est ça, elle a été mordue dans un GN, puis elle a fait, c'est trop. Hein, c'est... Elle a été mordue à fléau. Ouais, elle a été mordue à fléau. Fait que, ben là, vous allez m'expliquer c'est quoi Xavier, puis pourquoi vous voulez tout partir, parce que vous avez fait beaucoup de monde. Là, vous allez me dire ce que vous faisiez, ce que vous avez fait dans le coin. Ce que vous veniez faire dans le coin. Vas-y, vous êtes qui? Mikael. Là, Anouk, elle dit, ah, c'est mon boss. Je sais. Elle dit, ah, ben, enchanté. Moi, je suis Princesse Luce, du Père du Milieu. J'étais par la bande dans l'autre gang. Dans le fond, c'est des anciens amis à Anouk. Quand Anouk est partie, j'ai redéfini pourquoi je suis encore là, tu sais. Puis, dès que j'ai posé la question, Xavier m'a donné un coup, le salam au visage. Puis, je garde cette marque-là pour me rappeler que je le déteste. Et il va voir que je vais toujours avoir cette marque-là dans le visage. Fait que quand je vais le voir. Perception empathique, admin là-dessus. Parce que moi, je veux savoir, qu'est-ce que Xavier fait ça? C'est quoi dans le but? J'ai un 10. C'est une manipulation superfuge. Hein? Ouais. Et ça, on va dire. 1, 2, 3, 2, 3 réussites. Je peux pas. T'as l'air sincère. Ouais. C'est sincère. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, elle dit à Anouk que.
dis là, Xavier est sur le bord de réussir ce qu'il veut faire, genre. J'ai dit, il a pas arrêté de faire ce qu'il fallait, ce qu'il voulait faire. Ben non, tu le sais, hein. Lui est confiant que dans le... Là, il nomme une place, je pense que c'est dans le bout du rapide plat, là. Il est convaincu qu'il y a quelque chose là, là, fait que... C'est quoi que vous venez faire dans le coin, là? Là, je pose des questions. Ah, nous, on suit. Si tu veux savoir, alors je peux retrouver un manque de carnot noir. Un manque de carnot noir. Perception. Maintenant, ben moi, je vais faire ça. Parce que je sais c'est quoi un manque de carnot. Ouais. Là, maintenant, elle te fixe un peu, genre. Et c'est comme. Ah, ben c'est lui. C'est lui qu'on a suivi avec le char en manie. Genre, ok, c'est toi qui es allé chez. L'or. Ben, nous qui était avec moi, surveiller. Ouais, mais c'est ça. Non, mais pas la. Pas, non, quand on est allé chez la femme de l'autre. Chez Lorraine, non? Non, on est allé chez la femme, la femme de celui qui s'est fait ouvrir. Ah, ok. Puis là, t'avais écrit Wino dessus, là? Celui-là, t'avais écrit Wino? Non. Non, ça c'était Lorraine. Ben, c'est ça qu'elle te parle. Mais Lorraine, il n'y avait pas de Monte Carlo Noir qui me suivait là. Il me suivait quand je suis allé montrer une plaque de police à la fille pour aller prendre. Tu ne l'as pas vu là-bas. Tu ne dois pas l'avoir vu, ce Monte Carlo. Ah non, c'est vrai. Oui, je l'ai vu là, le Monte Carlo. Mais quand je suis allé chez Lorraine, il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas rien, non, c'est vrai. Parce que j'ai eu un bon jet d'aspect. Ok, c'est bon. Ben, dans le fond. Ben, en tout cas. C'est drôle parce que ça fait deux. Elle doit dire, dans le fond. Ça doit être là, toi, le gars qui s'est servi d'abord. C'est toi qui as gravé quelque chose sur la porte. Elle m'a décrit un. Là, elle a décrit un peu. Isis nous a décrit un blanc, je sais pas trop, là, qui avait écrit sur la porte. Okay. De Lorraine. Puis Lorraine, c'est qui? C'est Laure. Son vrai nom, c'est Laure. Mais ben là, c'était Lorraine, il faut qu'elle pense pour Lorraine, puis là, il faut qu'elle va. Je vous suggère de ne pas refaire contact avec Béatrice. Ah non! Non, elle dit Béatrice, ça c'est la nouvelle primaire qui est en ville, ben c'est pas une primaire. Donc, elle a parlé aux primaires, puis elle nous a parlé qu'il y a un salubri en ville. Fait que, genre, un monsieur-madame, là, un petit monsieur-madame, là, qui travaille à l'hôpital. Oupsie. Fait que, là, ben, le Monte Carlo Noir, il cherche une petite madame, monsieur. Il est pas mal, là. C'est-tu lui? Ton lien avec ce que c'est? C'est, en fait... La sauver vers Anouk. Anouk, c'était ma meilleure amie. Puis là, Anouk a fait un ouais. C'est comme un peu moi qui l'a inclus dans notre gang, dans le fond. Ouais. C'est quoi ton lien par rapport à. Tu sais, je sais qu'il est parti avant, mais c'est quoi. Ce... Donc, Xavier est lié aux événements de l'hôpital? Pas Xavier, Laure. C'est Laure qui a fait. Peur à la petite madame monsieur. Parce qu'elle sait qu'il y a un hiver. Puis vous autres, est-ce que vous avez fait le pacte ou pas? Moi, j'ai pas fait de pacte. En fait, on n'a pas pu faire le pacte. On n'a pas réussi à appeler personne. Il n'y a pas de pacte qui a été fait. Je check à nous. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais ça, je check. C'est comme... Je vais faire une perception empathie. Ouais, parce que je vais être obligé de tuer ma... J'ai un succès. Tu vois comme... Comment dire... Mais pas bien, genre. Comme d'habitude. Ça veut dire, je vais dire carrément, là, t'es-tu une balie ou pas? J'ai jamais fait de pari avec les mains. Pis ça, je peux le prouver. Hein? Fait que tu vois comme... Mais ça, je sais qu'elle n'est pas marquée par un démon. Puis elle dit genre, j'ai pas choisi d'être une belle. Oh, ah, c'est une belle. Elle a été forcée. Mais forcée. Je l'aurais su par exemple, en la touchant par exemple. Comment ça? Elle aurait eu une empreinte de démon. Mais elle n'a jamais vu, elle n'a jamais touché, elle n'a jamais rien. Oui, mais elle a le sang.
marqué. Peut-être. Ben non, t'as peut-être pas eu beaucoup de succès, là. Je l'ai tenu assez longtemps pour avoir le cap. Ah, peut-être. Mais en tout cas, t'aurais peut-être eu un feint, peut-être, là. OK. Mais tu sais, tu vois, genre... Mais elle n'est pas corrompue. Non, elle n'est pas corrompue, là. Tu vois comme... Puis l'autre non plus. Tu sais, à la limite, là, tu vois comme elle commence à pleurer, genre, j'ai pas choisi, là. Puis l'or non plus n'est pas marqué. Non. OK. Puis l'or, elle ne veut pas rapport là-dedans, c'est juste que... De toute façon, elle... Tu l'as dit Luce, pas l'or. Attends. Luce. C'est ça, Luce. Luce, c'est la malcave. Ouais, c'est ça. Mais c'est une malcave, mais elle n'est pas plus marquée. Non. Dis-moi, dans le fond. Tu sais, ce que tu écoutes, c'est que Luce, c'était une amie d'Anouk. Puis Anouk, elle a été embraced contre son gré par. Son sérieux, c'est lequel? Mais. Mais elle aurait pu le tuer. Ouais. Fait qu'elle dit son sailleur. Ouais. C'est sa sœur. Ouais. Ah, j'ai pas fait les hiérarchies des autres. Fait que. Bon, son sailleur, ça va être. Son sailleur. Ok, sa sœur, c'est l'or. Sa sœur, c'est l'or, puis elle l'a pas marqué. Non. Même pas eu le temps. Ben, c'est sauvé avant. Hmm. Dans le fond, ce qu'elle t'explique, c'est qu'elle a extrêmement peur de Xavier. Tu vas texter le prince. Tu sens un texto, prince? Le Monte Carlo noir, c'est les bagues. Faut le trouver, prince. Bien reçu. tu voulais les informations par rapport aux démons, je les ai données. Puis tu le sais en plus, parce que l'autre, il t'a déjà dit qu'il y a Monte Carlo noir qui allait au dépotoir tout le temps. Ça, Cédric le sait, mais Michael le sait pas. Ouais, Camille, je pensais qu'il me dit que c'était Monte Carlo. Il m'a jamais dit que c'était Monte Carlo. C'est un char, non? Il a dit. Il va te le dire. Il surveillait des vampires qui allaient au dépotoir à Saint-Val, mais il m'a jamais changé de Monte Carlo. Camille. Oh, il a parlé du Monte Carlo. Ah, ouais? Oh, oui, il avait parlé du Monte Carlo. C'est la seule façon que je savais. Fait que toi, tu peux faire un plus un. Moi, je peux juste te dire que le Monte Carlo noir, c'est les belles. Puis je suis où le trouver? Tu me le dis ou pas? T'as juste dit écrit bien reçu. J'écris bien reçu, puis je dis rendez-vous au manoir. Ouais. Fait que je vais amener. Puis dans le fond, Anouk, c'est ça qu'elle dit. Elle dit si j'étais nerveuse parce que j'avais peur d'y recroiser. Je sais que t'aurais pu. Tu sais ce que je suis, t'aurais pu me tuer bien des fois. Elle savait-tu? Je sais pas si elle. Je pense qu'elle savait pas, hein. Ouais. De toute façon, ça peut être. Non, c'est ça, toi. Ça, je pense que tu l'as jamais dit à personne. Le prince le sait. Le prince le sait, c'est tout. Moi, je m'en doute en crise de qu'est-ce que t'es. Ah, tu le sais même pas? Ben, je veux dire, Karl m'en a probablement parlé que c'était un guerrier salubri, là. Ben, Karl ou. Karl, tout ce que j'ai dit à Karl, c'est qu'il y avait une lame de Samuel en ville. Tout ce que j'ai dit. Ah, ok. Bon, ben. Peut-être pas fait le lien. Ben, il doit s'en douter. Ouais. Parce que. Lui, il a dit, non, mais oui, Karl le sait parce qu'il m'a dit il y a toi, puis il y a moi. Les autres n'existent pas. Les autres n'existent pas. Mais c'est pas moi qui va dire ton secret. Moi, je te texte. L'hôpital est surveillé. On va sauver le Hunter au départ à Saint-Val. Tu vas faire de la chicane, c'est pas ça que tu veux. On va laisser faire la job. Ah, il est belle, là. Oh my god. Quand il me texte ça, par contre, je suis à l'hôpital et j'aimerais ça être en train de. Je te retourne voir Lucie pour essayer de lui faire opérer. Elle est pas là. Elle est pas là. Ah, ça, c'est plat. Bon, ben, regarde. En fait, le deuxième du chose, il dit Lucie, elle est pas rentrée à la soirée et elle n'est pas appelée. Oh! Mais pas appelé Pantoute. Pantoute, c'est ça. Puis. Ah, regardez-moi pas. Elle est pas diabolisable. Fait que je l'ai appelé, elle n'a pas répondu. Ni son cell, ni son téléphone de maison.
OK. Moi, j'ai son adresse. C'est quand même mon allié. Là. C'est où ce qu'elle reste, elle habite à Bigel. Bon, ben, OK. Écoute, si jamais tu as des nouvelles de elle, dis que je la cherche. C'est bon. Je vais m'en retourner au manoir. Mais pas par la porte principale, surtout qu'il m'a dit. De faire attention. Ouais, fait que m'en sortir par. Puis toi, tu te lèves. Là, je me rends compte que j'ai été guérie. Ouais, tu te réveilles, t'es totalement guérie. Je fais des liens dans ma tête, c'est sûrement lui qui m'a guérie. Ouais. Tu le sais, parce que c'est la seule manière que tu as réussi à guérir depuis une couple de jours. Parfait. Fait que. C'est-tu ton texto? Peut-être pas. Faut aller plastiquer. Elle a l'a. Fait lui. Faut aller quoi? Faut aller mettre du sécable, faut aller plastiquer les lui billes. Aussi. Laquelle? Mais celle qui n'existe plus. Je texte à Michael. Je lui demande le texto de Yen. C'est ça qu'elle n'existe plus. Je vais faire le lien, puis elle texte. Je vais lui donner le tien, elle décidera. OK. Elle décidera. Okay. Fait qu'après ça, ben. Fait que tu m'envoies ça. Ouais. Je t'écris en même temps, tu vérifieras. Non, hein, on le sait déjà que c'est dans une semaine seulement que je vais être guérie. Bon. Ouais, à peu près. Tu sais pas quand, mais tu sais, c'est environ une semaine. Ça dure environ une semaine. C'est pas tout de suite. C'est déjà quelques jours que ça roule, pas quand. Fait que, Jules, j'y texte, c'est quoi les plans? Ben, on est vraiment les deux. Ah. Tout le monde est au monde. Je peux me texter, mais. J'étais à côté de lui, j'ai pas pris mon café, je peux pas boire de sang. Fait que, parle-moi pas. Quand tu fais send, ça fait oh! Ah! T'étais là! Ok. On fait quoi? Ben là, je viens de recevoir un texte de Michael qui me dit que, dans le fond, le Monte Carlo noir que Camille a spoté au dépotoir à Saint-Val, ben, c'est les Bali. OK. Fait qu'elle regarde bien mon plan. On met le C4 sur toutes les Monte Carlo noir. Non, mais pour de vrai, je suis sérieuse, là. On colle les hunters au dépotoir à Saint-Val. On laisse les Bali s'occuper de se débarrasser d'eux autres pour nous. Fait que c'est pis nous, les pires méchants, c'est rendu eux. OK. Au pire, les hunters vont tuer les Bali. C'est un win-win. Ils vont s'en éliminer entre eux. OK. C'est on va checker ça. T'agis exactement comme un bon prince de la cavalerie. Ah, à vous. C'est ça le plan. J'aime tellement mes idées, faut que je fasse un jet de self-control. Quand t'as s'embrasser. Non, mais c'est ça, c'est le temps à dents, pis qu'est-ce que c'est beau, la blague, la tombe. Je suis astonnée devant mon génie. J'ai eu une réussite. Ah, c'est quasiment triste, hein? T'es quand même fait... Ok, non, je vais... T'es quand même... C'est beau, hein? T'es fière de toi, t'es vraiment fière de toi. T'es un peu ému. Oui, les belles idées, mais j'avais... C'est quoi ta nature? Rogue. C'est quoi le rogue? Rogue, c'est tu fais quelque chose pour ouais, pour moi-même. Ah, c'est pas pour toi-même, je veux dire. Ouais, ben, un peu. C'est pour pas avoir à me mettre au milieu du feu croisé. Ben, toi, tu dis ouais, si tu touches, tu peux savoir des choses. Ok, mais dans le sens, moi, je laisse-tu m'en prendre. Mais parce que rogue, c'est. T'as des points quand tu utilises. C'est plus comme quelqu'un les qui autres pour ton plus propre profit. C'est quelqu'un qui s'en sert, quelqu'un qui l'a fait. C'est un peu ça, je suis en train de faire. Depuis le début, je suis en train de encore plus, je ne te mets pas en danger. Puis je le reprends une semaine après, c'est ça, c'est pour avoir un peu. Je sais pas si ça me dit. Ok, autocrate, il faut que ça marche selon ce que toi tu veux. Ah, si, parce que rogue, c'est. Tu utilises les autres à ton propre profit. Puis ça a encore plus de t'exposes pas tes weaknesses dans le process. Ben, tu reçois un texto de moi. Oui. Qui dit je suis en route pour vers le manoir. Ok, parfait. Avec un bonhomme sourire qui sourit. Bonhomme sourire qui est comme. Ouais. Parfait. Fait que je t'écris arrête de texter au volant, pis. Je suis à pied, trois petits points avec un bonhomme qui fait. Non, mais il y en a un, c'est vraiment utiliser les autres. Lui, c'est pas utiliser les autres, c'est juste si tu fais de quoi qui mène à ton profit, genre, tu sais, ils disent les putes, puis les voleurs, les putes, les prostituées, les capitalistes, les criminels, c'est ça, genre. Ok, let's use people.
Non, ça va être... Pourquoi? C'est les Français, non? Les Français sont morts. Je joue juste en autocrate. Ah, autocrate! C'est... Ok, oui, dans ce cas-là. Après toutes les clans, genre. Fait que moi, je dis qu'on appelle Camille parce qu'il y a déjà une bonne idée comment le dévotoir est fait. Peut-être par où on pourra avoir accès. Puis surtout qu'il est au courant des Montécarons un peu, on pourrait demander. Ouais, c'est ça. On pourrait le caler, là. Qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il sait. Puis après ça, on verra si on peut, genre, juste comme carrément livrer les Hunters au bain. Toi, tu sais que son domaine à ton Shire, c'est Saint-Valéry. Fais-tu y écrire? Ouais, on call Camille. Il dit, ben, je suis passé tantôt. Là, il n'y a pas de mouvement, mais encore les symboles bizarres. Ok. Sais-tu, comme, y a-tu un endroit proche du dépotoir qu'on serait capable d'être sans se faire prendre? Ouais, il y a une forêt, parce que dans le fond, le dépotoir, il n'est pas visible de la rue. T'sais. Fait qu'il y a comme une forêt, là, y a un chemin, une barrière, tu passes ça, tu te contournes la forêt, puis tu arrives dans le dépotoir. Là. Ok. Okay, parce qu'on irait sûrement plus tard aujourd'hui. J'ai un plan. Puis, faudrait que tu nous guides. Ok. Ok, rendez-vous à telle place. Là, c'est... Je vais vous attendre là, dans la courbe. Bon, c'est ça. Une courbe pas loin. Une cabane à sucre, je pense. Une cabane à sucre, puis là, je vais t'enlever. Ok. Je me demande si j'appelle plus de monde. Et non. Ah, tu me le demandes à moi. Ouais. Je te dirais. Je peux te texter si tu veux, mais. Pendant qu'il est dans sa fesse. Tu peux jouer le plus de mon. Il est où je te parle? Non, on va être au moins avec Camille, mais si jamais ça ne vire pas bien, ça serait. Je vais demander à une carte, Camille, là, bien sûr. Ok. Puis. Y a-tu avec nous autres, hein? Non. T'es pas là. T'es où, toi? Je suis juste. Ah, c'est normal. Encore personne qui a texté. Ok, on le veut. On le veut? Ouais, je m'en ai bien gros d'Arthur. Tu fais confiance, toi? Ben, attends, je l'aime-tu encore? C'est bizarre, t'es pas bisous. C'est ça même, là. C'est ça que Charles se joigne à nous en in-game, mais. C'est ça. Genre, ouais, on était dans la même bibliothèque. On était en chicane. Quand c'est qu'il aurait pu faire, quoi. Non, mais vous êtes non, pas en chicane, mais. Il y a eu de la confiance, qui s'était frippé. Ok, je dis, ouais, Arthur, il y en a, puis. Tu textes à quelqu'un. Ben, je sais qu'il y en a sans bien. Ouais, peut-être Bennett puis Grégory aussi. Non, on va être trop. Toi, tu veux pas qu'il me. Non, on a tous nos guns de la veille, de toute façon. Ok, ouais, c'est bon. Fait que je vais texter Arthur. Ok, je vais texter Michael. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je m'ennuie. Tu viens avec nous autres. Où ça? On s'en va voir le Monte Carlo, c'est des baliers. On va voir un spectacle. Ouais, oui, c'est important. Elle a été un incentive, spectacle mais elle a pas de été entre des baliers et l'entrée. Ben, si toi tu peux le savoir, là, elle ne transformait pas. Elle n'était pas d'autre chose. Hein? Elle n'était pas un autre plan. Elle a vraiment été infantée d'un sire directement. Okay. C'était pas une ancienne d'autres clans qui a été métamorphosée. Je peux-tu faire occulte pour savoir c'est quoi un bali ou je le sais? Mais là, t'as lu toute la nuit sur le check. Non, check. Fais on se rejoint à Saint-Val, à telle place, à telle heure. J'ai un plan pour débarrasser du bali puis des hunters. J'ai deux. T'as lu que bali, c'est. Du monde qui infernalise. Alright. Alright, yes sir! Yes! DJ Dwayne, somebody works! Self-control, c'est 4. Hey, j'avoue que c'est la meilleure idée de l'année. T'as donné Hunter, les Bally. Oh, lui, il fait passion up tout le monde. J'ai un total fail, fait que j'allais me tout de suite. J'ai deux botches. Ça tentait pas d'y aller? Ouais. Non, c'est juste que là, c'est comme. Ah. De pas nouveau, là, ça power, là, ou whatever. Ok, ok. Ça t'intéresse de savoir ça, là. J'ai deux bots, puis aucune réussite. Ok. Là, je suis complètement. T'oublies de consulter ton agenda. C'est ça, exactement. Okay. Tu t'en vas au Manway. Si je veux y aller, j'ai tellement le goût d'y aller, je prends même pas tant de mes pantalons. Si je suis correct. Je vais avec mes deux bodyguards, mais j'envoie l'autre en histoire. Lequel, Ah, mais attends, l'autre est avec moi. Blake? Non, lui, c'est le plus tôt, hein. Ouais. Fait qu'il est-tu déjà plus là ou.
Ben, lui, il se lève, puis il t'attend dans le bord. Fait qu'il est pas parti voir les... La... Ben, si tu as dit qu'il y avait ça... Ah, il dit... quand il avait dit, je veux ça demain, fait qu'il m'en compte. Quand tu te lèves, par exemple, il dit, c'est aujourd'hui que l'explosion. Ouais. Il y a un nouveau bar, je voudrais aller. Faut-il le faire? Aujourd'hui, ok, mais là, j'ai peut-être une mission plus importante. Ok. Ça devrait la chambre. Est-ce que tu peux aller faire des recherches sur les la bibliothèque, je vais demander à Carmen. Ok, parfait. C'est aujourd'hui l'explosion haut? Que le bord explosion haut. Fait que toi, tu m'as dit l'autre non plus, mais l'autre, c'est. Ouais. C'est même que si son aura. Fait que tu t'en dis ça aussi. Elle peut pas. Ça cache pas d'OBR. On peut dire ça comme ça. De Valéran. Oh man! Deux hommes indépendants! De Septivora, parce que là, c'est le cerf qui se touche. Ah, ok. Tu vois, c'est pas l'aura. Même un des Septivora marche pas contre Valéran du OBR. Et je t'ai demandé de m'en parler, puis... Ok, là, on va aller à Saint-Val, ah. Mais... Ah, je ne me l'ai pas dit. Moi, Anouk. Ah oui, c'est vrai. Anouk. 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 Ne veut pas. Qui est reçu, d'ailleurs. Tu m'as juste dit, est-ce qu'il t'a reçu à quelqu'un? J'ai dit oui, d'une certaine manière. Je n'ai rien dit. Ok. T'entendais pas de m'en parler avant, quand on enquêtait là-dessus? J'ai juste dit que genre, je te connaissais pas assez non plus. T'sais, si ça avait été lui qui t'avait envoyé ou quelque chose comme ça, tu sais. T'es venu me voir out of nowhere. J'essaie de voir t'étais qui. Je suis toujours pas t'es qui exactement. On va y faire on va l'envoyer au bar. Puis Lus, c'est quoi qu'elle dit? Lus, a dit. Moi, je veux dire. Soit que je reste avec Anna, soit je vous suis. Je veux juste. Pas être tout seul non plus. Hein. Puis tu vois qu'elle s'est levée, puis elle a encore, elle se cache, elle marque la nuit. Ouais. Est-ce pas, c'est la même nuit? On est la même nuit, pareil? Ah oui, ouais, mais c'est parce que non, j'amène pas Lus chez nous. Non, mais pas chez vous, elle. Non, non. Fait que. Je vais envoyer deux au bar, on va te surveiller. Le but, c'est qu'il... Puis c'est... Je vais demander le téléphone de Lus. OK. Fait qu'elle te le donne. Ouais. J'ai pas problème avec ça. Fait qu'elle dit... C'est, après ce qu'on a réglé à soir, je leur donnerai le même. Mais comme, pis, ah, tu demandes son téléphone à elle? Oui, je demande, je pars avec. Ah, ok. Elle l'avertira pas, Xavier, ou quoi que ce soit. Ben, tu sais, elle fait comme, mais là, j'ai besoin d'aide. Hein? J'ai besoin de mon tour de l'air. Pour ce que je m'en vais faire là, je vais garder ton cellulaire. Sinon. Fais un manipulation leadership. Manipulation ou manipulation intimidation. T'essaies pas de manipuler, t'essaies plus du intimidation. Donc c'est charisme intimidation. Ouais, j'irais plus charisme intimidation, tu sais. Ses difficultés sont will. Non, mais j'ai. T'as-tu beaucoup de charisme? J'ai un 4. Non, ben pas tant, non. Fait que tu l'as pas ou hein? À le site de Will. Ah oh, non, j'ai. Ok. Fait qu'après, c'est parce que pas juste lui sans terre, là. J'ai d'autres noms que je peux écrire. Ouais. Fait que je vais prendre un Will, je vais summoner un pieu. C'est ton choix. Fais un intimidé, genre. Il peut toujours être sans intimidation, oui. Je summoner un pieu out of nowhere, là. Ouais. Fait qui, c'est ça? Son employé. Non, Anouk. Ah, Alus. Anouk est correct. J'ai juste fait comme, tu sais, je te demande le cellulaire, elle veut pas me le donner, je summone un pew out of nowhere, c'est ton choix. Elle éteint son ciel. C'est pas juste de l'intimidation, c'est genre mesure, là. Écoute, des wills, c'est dur pour. C'est dur de récupérer mes wills. Faut que tu réussisses à plein de vie tes affaires. Ça, c'est de la bullshit, ça t'a dit que je suis débrisé du monde, pis tout. Fait que je vais prendre son sel, je vais le fermer. Elle l'a fermé devant toi, pis elle te l'a remis. Je vais enlever la batterie. Tu peux enlever une batterie seule sans lui ici. C'est pas un CV, c'est un batterie, c'est un sel. Moi, en tout cas, mon sel, je sais pas. Tu l'as enlevé ta batterie, t'as juste enlevé ça
Faut-tu faire ça, ouais? Sam, fais-tu une dévite? Non. Trust. Ah, ok. T'enlèves la batterie. Ah, je savais pas. Ouais, j'ai pas de technologie. C'est pas sur les iPhones, mais là, quand même. C'est quoi son téléphone? Elle n'enlève pas souvent sa batterie. C'est quoi son téléphone? Hey, moi, avant, c'est un Android ou un iPhone? C'est un Android ou un iPhone? Ben, browse, là. Un des 10. 10, il s'enlève. Parce que tout, c'est que j'enlève la batterie. Je donne la batterie. Tu m'as donné que ton contact, c'est ton message. Je te redonne le téléphone. Toi aussi, c'est un serveur, probablement. Mais la prochaine fois, on va prendre la batterie sur la table, puis elle s'assied. Ben, vous êtes au bar ou ça va pas? Ouais. C'est ça. Mais c'est pas des gens qui se font virer. Non, absolument pas. Ils tuent. Ok. Mais oui. C'est bon, vous partez. Mais moi, c'est pas vraiment. Vous en allez à cabane à sucre. Là, vous êtes toutes là. Ok. Vous arrivez à cabane à sucre. Puis Attends, c'est parce que là, lui est arrivé. Ouais. Il y a quelque chose à faire. Ah, Rigo. Salut! On a quoi à faire? Elle me tient la main? Ben, dis salut. Ben oui, okay. Je t'embrasse tes joues, là. Ok. Si tu veux faire ton power, tu peux. Ah oui, donc? Si tu veux, là, savoir que j'ai pas de blood, c'est que effectivement. C'est OB1 ou Aspect? C'est OB1. Est-ce que là... Perception, empathie, difficulté 7. Est-ce qu'elle a des blessures? Un peu, oui. Tu as aidé par la tournée. Non, mais il va voir. Que tu n'as plus beaucoup de blood, disons. Parce que là, tu t'en es enlevé un. Ben, parce que tu t'en enlèves un le matin. Ça s'enlève la salle. Tu t'enlèves une salle. Je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai. Difficulté 7, j'ai 1. C'est bon, je n'ai rien trouvé. C'est bon. Ok. D'accord. Oh, ben, je te dis. Un peu solennellement, que je sais que dans le fond, tu m'as un peu sauvé, que tu n'étais pas obligé de continuer jusqu'à me guérir au complet. Tu l'as fait quand même. Pour ça, dans le fond, je t'offre. On vous attend au dépotoir. Une sécurité. Tu sais que je suis très. Venez régler ça à soir, on vous attend au dépotoir. C'est sûr que là, présentement, je suis pas à mon meilleur. Mais dès que je vais pouvoir retrouver mes pouvoirs, je vais être en mode égard. Tant que tu auras besoin de moi, j'en irai te protéger. Je vais me dire dans l'oreille, ça tombe bien parce que présentement, j'en ai peut-être besoin d'aide. Là, présentement, je suis forte, mais je peux pas utiliser mes pouvoirs. Là, c'est quoi qui se passe? Un curse? Ok, tu le savais pas? Non. Bon, mais là, je te le dis, dans le fond, j'ai une curse qui fait que je peux pas boire. Le seul truc, c'est qui l'avait trouvé? Toi? Non, c'est moi qui avais trouvé le seul truc que j'ai trouvé. C'est toi qui l'as trouvé. Que j'ai trouvé, c'est que je peux manger de la cendre pour avoir des bloods, pour pas tomber en torpeur, en fundi. Puis ça va durer à peu près une semaine. Puis c'est ça. Fait que ce qui arrive, c'est que dans le fond, ça, je peux pas me changer, je peux pas avoir mes griffes, je peux pas. En attendant, pis c'est un os qui l'a fait, pis je vais aller le tuer, mais que j'aime mes forces. D'accord. Elle dit ça à toi qui avait été. Oui. C'est comme. Ben. Mon Dieu. Écoute, ok. Est-ce que. C'est un os, est-ce que ça me dérange tant que ça? Je veux dire, elle me dit qu'elle va tuer un vampire, c'est pas comme tuer un humain. Non, c'est pas un humain. C'est pas un humain. Il l'a cursé. C'est pas un. Ouais, fait que je suis comme. Je suis pas nécessairement. C'est pas le fait que c'est un os, c'est le fait qu'il a atteint à l'intégrité d'un autre vampire qui te dérange plus. Ok. Ben, je te dis, écoute, je connais. J'ai peut-être des contacts pour t'aider. Ok. Sinon, donne-moi du temps. C'est parti, c'est juste que ça peut me prendre, mais c'est peut-être une discipline que je peux apprendre. Ok, ben écoute, moi, ouais, ça fait 4 jours, là, d'ici 3 jours, j'aurai plus la queue. Ah, bon, c'est bon, ça joue, je laisse faire. Moi, ça serait peut-être une question de semaine, plus que d'autres choses. Des gens qui, autour de toi, connaissent un peu l'information là-dessus, ça pourrait être. Ah, je sais. Ok, ben je peux me renseigner. Parfait. Je sais pas trop quoi, qu'est-ce que ça va impliquer d'autre, donc. Fait qu'en tout temps, tu peux m'appeler si j'ai eu un problème. C'est vrai que dans 3 jours, je vais être full à. C'est très possible. D'ailleurs, pour le jamais tu rencontres une
journaliste qui s'appelle Lorraine. Lui, lui c'est oui. Dans le fond, je ne peux pas l'utiliser. Le 2 que. Le 2 que. Je ne peux pas l'utiliser jusqu'à ça, c'est du trop, ça. Elle m'a fait des choses que... ça, qui me laissent croire qu'elle m'en veut. C'est quand même pas faisable de. Si quelqu'un me parle. Et je fais la même chose, mais pour locker, parce que c'est trop fort. Power et poids. Ok, on peut partir, on est heureux. Non, attends, attends, ouais. Une bonne idée. Ben, non, non, c'est bon. Ben, ça dépend. C'est le temps que tu l'as. La discipline ou. Il faudrait que j'aille un téléphone pour appeler à l'église sur la framboise. Pour moi, laisser un message de répondeur. Je vais essayer d'utiliser. On règle ça à carrière. Je vais donner l'adresse. Je vais pas une part. Ouais, dans le fond, mettons, tu dis, gars, je te bloque. Je vais pas prendre ma ça serait plutôt stupide. Arcan, s'il est encore au manoir. Si tu dis de rester, il reste. Puis si tu dis de partir, il part. Je veux qu'il soit là. Oui, quoi ouais, ce stylo? C'est le Balkan. Ouais. Le Balkan qui est quand même. Il est technomancer. Qui m'aime pas. Non, ah, Arcas. Ouais. Va chier. Ça, puis aussi dans un. C'est pas là, bah. Ben, ah, ouais, parti, ouais. Okay, okay. Puis là, c'est le vieux. Ouais. Oh, man. Ok, là, j'écoute ça. Okay. Moi, qu'est-ce qu'il fait? Tu peux-tu. Tu peux-tu. Me rendre mon téléphone intraçable? Probablement. Non, mais il faut que tu sois sûr. Ouais. On pose des questions. Ouais. Ok. Intraçable? Ben, j'imagine un hacker ou quelqu'un qui se connaît. J'attends qu'il soit pas là, là, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'humanité. Pourquoi tu vas juste pas pogner le premier étudiant sur le bord puis prendre son sel? Bon, là, ouais. On va laisser faire Arcas, on n'était pas fiable. Ça va être correct. On se met en chemin, puis le premier péton qu'on rencontre qui est tout seul, on l'a coupé. On vole son sel. C'est comme une jeune fille que je suis très fiable. Ah, on voit ça. Merci, on va découvrir la fin humain. Non, on va prendre l'option sûr. Là. L'option sûr. Pas de focaillage. Moi, je fais un tatou de l'église. Fait un loyal paroissien qui appelle pour dire qu'il a vu des affaires pas catholiques au dépotoir à Saint-Valéry. Ah, ok. Fait que là, en tout cas, là, on va commencer à vous rendre à Cabane à Sucre, pas loin. Puis là, il dit Camille, quand mon regard, on va y aller, moi, j'ai trouvé un chemin plus facile. Là. Avant, j'allais en oiseau, mon ami, quand c'est facile. Là, c'est parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est ça. J'ai pensé à vous, monsieur le prince. Ouais. Vous avez des grands pouvoirs, mais pas les mêmes. C'est ça. Fait que là, il. Comme des crap, bon. Là, tu sais, genre, tu vois qu'il a clawé un sentier, genre. Oh my god. Dans la forêt. Là, vous avez. Juste pour vous, le prince. Puis là, t'arrives, puis comme. Des fois, ils ont pas été clawés, puis il reste 10 pieds, après ça, on arrive comme. Dans une zone de terre. Puis de... Fait que là, si vous êtes prêts, on peut regarder. Là, je les ai pas vus ce soir. Je vais pogner le sniper. La lunette du sniper pour voir avec la tête. Tu regardes. Faut-tu faire du stealth ou. Présentement, là, vous êtes assis dans le bois. Si tu veux sortir, si tu veux, mettons, promener là, dans le bois, il faut arrêter à faire ça. Ok. Mais on voit. Ouais, vous voyez comme. Le champ, là, c'est comme t'as un tas de cochonneries, pis plus loin, t'as pas de cochonneries. C'est comme là, c'est du sable tout tapé, genre, ben pas tapé, mais. Ok. Pis là, vous voyez, comme de loin, vous voyez un peu des symboles bizarres. Pas de Monte Carlo noir. Non, y'a pas de Monte Carlo noir. Ok. Je vais quand même appeler le Hunter. On a essayé de summoner hier. Non, pas lui. Quoi? Parce qu'on a essayé de le summoner pendant la nuit. Mais là, vous n'avez pas encore essayé. On a essayé la veille, mais on avait essayé. Parce qu'elle va appeler à l'église. On n'a pas déjà fait ça? Non, ben. Toi, tu le dis ouvertement, tu fais ça? Mais devant eux autres, oui. Okay. Devant toi. Ah oh, ouais, devant toi. Okay. Mais attends un petit peu, là. Le gars qu'on a summoné à 5h, c'est vrai. Mais lui, il s'est rendu compte qu'il a été summoné. Mais là, présentement, on ne savait pas. Parce que moi, je pensais qu'on skippait, là, on ne skippe pas. Fait que tu l'as summoné hier, il n'est jamais arrivé. Ok, c'est pas arrivé, ça, pendant une semaine qu'on l'a summoné. Ben non, on ne l'a pas skippé encore. Non, c'est ça. Puis au pire, aller justement, les autres le surveillent parce qu'ils savent qu'on a déjà peut-être essayé.
Fait que au pire, ils vont juste venir à plus, puis on va taper plus. Ouais, non? Ouais. Puis avec un peu de chance, les balis vont jouer entre-temps, puis on va juste les regarder se taper. OK. Fait que, mais là, on l'a-tu fait ça, appelé à l'église, déjà? Ça dépend de toi. Moi, je l'aurais fait de Saint-Hyacinthe, là. OK, ben, si tu l'as fait... T'as piqué le téléphone d'un étudiant? Ouais. Okay. Mais appel, mais ça, tu le piques. Mais si, exemple, quelqu'un a l'air de traquer le GPS, là, il va traquer le GPS. Non, je garde pas le téléphone. OK, tu veux dire qu'il va traquer le téléphone jusqu'à Saint-Valérien? Oui, puis ben, ce que tu fais, c'est que justement, après ça, tu fais... je vais le mettre dans le dépotoir, ben, juste le pitch, que je trouve. C'est ça, comme quoi que... comme, tu fais la pauvre petite personne paniquée qui a vu quelque chose de pas correct, puis que tu as vu que tu étais au service. C'est bon. Je peux faire ça, si tu veux. Ouais. Je suis pas bon pour être paniqué. Ben, je mets ça, fait que, tu sais, par quoi que, tu sais, justement, il y a des affaires, il y a des flammes, il y a des affaires, puis après ça, là, tu raccroches straight, puis après ça, tu piches le téléphone là-bas, comme ça, ici, il traque, tu sais, au pire, tu le laisses ouvert, puis tu le pitches. Fait appelle à l'église, puis dis-leur que t'as vu des choses pas catholiques au dépotoir à Saint-Valérien, que t'es sûr que c'est possédé par le démon, blablabla. Aidez-moi, s'il vous plaît. Si. Ferme après téléphone. Ça, tu sais. Besoin est-ce d'aide, qu'on... les gens vont mourir. C'est bon? OK. Fais un jeu de performance, là. Oui. Fais un peu. Allô? Putain, j'ai vu. T'appelles à l'église, puis ça répond pas. Non, mais c'est une boîte vocale. Ah, ouais, une boîte vocale, c'est vrai. Ça, c'est correct. Bonjour. Écoutez, là, moi, je suis présentement en direct de... en direct. Je veux dire, je suis là, je suis au dépotoir, puis j'ai vu du monde, là, c'était un char qui était... il était vraiment... il était louche. Là, je suis arrivé ici, puis j'ai vu du monde qui essayait de... il faisait une affaire, là, je suis certain qu'il essayait de faire venir un démon. Il y a des symboles à terre, tout le kit, là. Je panique. Aidez-moi, je suis au dépotoir. C'est bon. Fait que... Fait manipulation performance. Oui, c'est ça. Et prends un will. Fait que... Si tu prends un will, ça veut dire que t'as une réussite automatique. Ouais. Puis c'est difficulté de 6. Je vais prendre un will. Ça, c'est le gang, quoi. Ça dépend de ton nature. Toi, c'est caregiver. Fait que toi, c'est pas dur. Ouais, caregiver. Dès que tu t'occupes de quelqu'un, genre, qu'il calme. Si tu l'avais healé avant, après, tu l'aurais regagné, mais si t'es occupé. Faut qu'il calme. Pourquoi il fait sa nature. Mais ça, mais non, mais tu sais, c'est parce que. Ben, quand tu le fais, tu le dis. C'est juste que lui, il peut pas tenir c'est track ça. De. Moi, je connais pas toutes vos natures, mais tu sais, si tu dis genre, hey, moi, je trouve que j'ai fait ça, on dit, ah, ben oui, tu prends Will. Ok, merci. Moi, je suis en train d'établir le plan. Si ça marche, il y a un peu de points. J'en gagne un Will. Et c'est combien vous suivez mon plan? 2-6. 2-3. 2. Ben, le Will, c'est que si t'as pas de réussite, tu n'as une. Ah, ok, fait que 2. Si tu n'as 2. Fait que je dépense pas mon Will? Tu le dépenses pareil. Ah, oui, ok. Ouais, tu le dépenses. C'est juste que t'es sûr d'aller. C'est ça. Pour le rater, il aurait fallu que tu le boches. Fait que, appel, église de réussite, simule la panique. Je prends un subterfuge, mais. C'est performance parce que tu n'essayes pas de manipuler. Tu actes. Subterfuge, ça aurait été si tu l'aurais fait devant la personne. Fait que. On saura la semaine prochaine que ça. Ouais. Si ça fait de quoi. Pour voir que je vais laisser le téléphone à Luce. Je ne la truste pas. Non, mais. Si je ne peux pas la truste, tu es testé. Déjà qu'à l'autre, là, je suis comme. Officiellement, comme je trouvais ça drôle parce que toi et elle, vous saviez pas vos clans. Puis là, ouais, c'est moi, vite. Avant qu'on ferme la game, je peux-tu faire mon summon dans le fond? Pour le under qu'on fait summoner. Ok. Je vais le faire. Il y a de toute façon, ils vont tout arriver en même temps. Hein, s'ils arrivent. Je pense probablement que ce message-là, c'est des hunters de toute façon. Ouais, je sais, mais tu sais. Ça serait juste vraiment drôle qu'il y en ait un qui n'ait pas entendu le message et qui parte en premier, tu sais. 5. 5 déjà, ben. Il y a plus de chance qu'elle summon à 5. Ben, ça va être difficulté 8. J'ai 0. Ah, bon. Ben, même pas, j'ai botché. C'est 8 la difficulté. Summoner de la soirée. Yeah. Okay. Il me semble pas. Des mineurs, ça donne quoi? Des mineurs, c'est la manière que tu agis. Ok, c'est, dans le fond, c'est parce que c'est vraiment important parce que, exemple, il y a des skills, des disciplines de vampire que si tu réussis à comprendre c'est quoi le.
le nature comparativement au demeanor, ben ça te donne une difficulté de moins pour faire tes affaires. Donc tu réussis à guesser sa nature. C'est comme un dans la vraie vie, politicien, son démineur, c'est. C'est genre d'être. Par exemple, ce serait un caregiver, son démineur, c'est comme il est super gentil, mais pour vrai, son nature, c'est un monster. Le gars, il agit en société comme quoi que c'est un super. C'est une super bonne personne, pis tout, mais que pour vrai, sa vraie nature, c'est un monster. Du monde, pis en kidnapping. C'est comme moi, dans le fond, mon demeanor, ben sûrement, ben toi tu l'as peut-être pas vu encore, mais c'est genre, comment ça s'appelle déjà? Visionary. Fait que tu sais, je suis tout le temps comme en train de... C'est pas de l'air, mais c'est pas ton nature. Non, c'est pas mon nature, okay. Mais tu sais, comme mettons exemple, il y a quelqu'un à un moment donné qui me parlait comme, ah, moi je veux faire de la bouffe, une nouvelle bouffe, un nouveau genre, fait que moi je suis comme, ah ouais, ok, ben j'ai des projets pour ça, je suis tout le temps en train de faire des choses. C'est quoi ton nature? Ton nature? C'est mon vivant. C'est bon vivant? Ouais. Il y a avoir du bon. Moi, demeanor survivor. C'est juste ça. Quand tu profites de la vie, de il aurait pu gagner. C'est pour ça, c'est comme c'est tout par rapport à la survie, de la sécurité et tout. Ça, c'est mon demeanor. Mon nature, c'est hunter. Lui, il chasse. Tu devrais pu être hunter aussi. Tu aurais fait déjà 4 points. Non, c'est du tout. Ça va être 3 d'XP à ça.